quatre. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette salle un peu inhabituelle peut-être pour un certain nombre d'entre nous. Une salle de l'école, une salle de travail de l'école que nous avons récupérée aujourd'hui. Je remercie Dominique, la responsable de la directrice des études de l'école, qui a permis d'être dans cette salle aujourd'hui. Samedi du TMS, sur la question de l'économie et du spectacle vivant en Afrique francophone. Je suis heureux d'accueillir ces personnes à la tribune et les nouveaux arrivants aussi. Je vais présenter ceux que je connais. Je laisserai, Sylvie présenter notre dernière intervenant impromptu. Julie Péguini, anthropologue, enseignante, maîtresse de conférence à Paris 8 sur les sciences de la communication. Martial Zebelinga. Zebelinga, je l'ai dit à l'envers depuis tout à l'heure. Pardon, Martial. Martial, alors Martial, il connaît un petit peu Strasbourg, parce qu'il a fait une partie de ses études ici. Il a été artiste associé, chercheur associé au CRES à Strasbourg. J'ai un témoin dans la salle. Économiste, spécialiste de l'économie en Afrique. L'économie de la culture en Afrique, j'y viens, c'est un petit peu pour ça qu'il est là. On attend Dieudonné Nyanguna qui ne va pas tarder, qui est sur la route. Acteur, comédien, auteur, metteur en scène, spécialiste des arts martiaux en ce moment dans la salle. Et puis je suis très heureux d'accueillir Sylvie Chalaï qui va animer cette discussion. Sylvie, avec qui nous avons longuement et fructueusement collaboré dans notre vie passée à Rennes il y a quelques années maintenant, et qui est maintenant enseignant-professeur à l'Institut théâtral de Paris 3, qui dirige notamment un séminaire sur les écritures dramatiques africaines francophones. Je ne sais plus l'intitulé exact, voilà, et qui dirige aussi un labo de recherche sur les scènes, là encore les scènes d'Afrique, et les dramaturgies et ses diasporas, voilà, c'est ça que j'avais en tête sur le séminaire, et puis qui notamment aussi, entre autres choses, est un des piliers fondatrices de la revue Africulture, bon bref, plein de choses, mais voilà. En attendant, alors, notre dernière invitée, Sylvie. À Étienne Menongou, qui est directeur des Récréatrales, dont nous allons parler copieusement aujourd'hui. Il s'agit d'une plateforme artistique, notamment dévolue au théâtre et à la création contemporaine, qui se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso, et qui structure toute la sous-région. On va en parler. Étienne est aussi comédien. Et il a toute une carrière de comédien et donc il a participé à beaucoup de spectacles et des spectacles qui ont marqué, notamment le fameux Bintou, mais aussi tout récemment, donc Bintou de Kofi Kwaoulé, qui a été joué maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années, j'ai oublié, ouais. À Océan Nord, et donc à Bruxelles. Mais il y a eu aussi tout récemment, donc une chose très très proche, M'appelle Mohamed Ali, vous allez en voir quelques extraits grâce au film vidéo qu'a pu apporter Julie Péguini. Étienne, effectivement, joue dans un texte de Dieudonné Nyanguna. Dieudonné va nous rejoindre, mais il y a une complicité importante entre Dieudonné et Étienne Menongou, et il me paraît difficile de parler de boxer la situation, boxer pour faire du théâtre, sans, évidemment, convier à cette table ronde Étienne. Qui nous a fait la surprise d'arriver là, de nous rejoindre là. Je vous laisse. Alors, est-ce qu'on retrouve Dieudonné ? Est-ce qu'il est là ? On l'attend, il va arriver. Il est loin ? Non, je l'ai appelé, il était en route, il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Non. Bon. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Donc, parce qu'évidemment, dans l'organisation faite pour être désorganisée, c'est normal. Il s'agit d'improviser aussi, je dirais, des échanges et de ne pas tout ficeler à l'avance. La preuve, la vie ne se ficelle pas et il faut au contraire boxer et encercler pour avancer. Alors,
je ne vous présenterai pas Dieudonné en son absence. Je vais attendre qu'il arrive parce que je voulais présenter effectivement les artistes et évoquer dans un premier temps cette dimension puisqu'il a joué hier la première de Kung Fu. Donc, c'était pas la première. Non, non, ah non, c'était pas la première. Le garde longtemps, on le garde longtemps. D'accord. Donc vous le gardez longtemps, donc il est d'autant plus épuisé. Voilà, j'avais pensé qu'il était sans doute un peu fatigué donc de la représentation d'hier. Alors, vous voyez que nous allons être bien entourés pour cette rencontre cet après-midi, puisque, comme l'a dit Briac, nous avons à la fois des chercheurs et aussi des artistes. Et pour ma part, bon, c'est vrai que j'anime un laboratoire de recherche dans lequel on a toujours voulu faire en sorte que les artistes et les chercheurs puissent être dans un dialogue, dans la mesure où il s'agit justement aussi de profiter, en ce qui concerne l'Afrique, de la dimension présente et vivante d'une création qui a beaucoup de mal parfois à se faire, je dirais, à se faire connaître sans être constamment ramené dans les cordes, pour le coup, puisqu'on va filer la métaphore de la boxe, dans ce qu'on peut appeler, en tout cas moi, ce que j'appelle l'enclos des clichés, l'enclos de ce que l'on définit parfois comme le théâtre africain ou les festivals africains. Alors même que cette création, cette créativité, notamment sur les plateaux de théâtre, a une originalité, a une dimension parfois même complètement innovante, voire inouïe. Et il faut être capable, effectivement, d'aller à la rencontre donc, de cette créativité avec le maximum de disponibilité possible, en essayant d'évacuer les idées reçues, les préconçues, les préétablies, en quelque sorte. Alors, cet après-midi, nous allons travailler sur quelque chose qui est de l'ordre finalement de l'économie de la culture et du spectacle vivant, alors même que quand on est dans un théâtre, comme le théâtre qui nous accueille aujourd'hui, on sait combien la notion d'économie est plutôt liée éventuellement aux dépenses, plus qu'à l'idée de l'enrichissement. Il s'agit en fait de dépenser sans doute de l'argent, mais de dépenser aussi de l'énergie, pour partager de la culture, pour partager quelque chose qui nous permet d'avancer, d'exister, de résister. Et j'avais effectivement envie de mettre cette réflexion en écho avec donc deux termes qui sont un peu contradictoires. C'est à la fois donc la notion de résistance et la notion de dépendance, puisqu'il est difficile effectivement de faire de la création sans malgré tout dépenser donc des moyens financiers, des budgets, pour pouvoir permettre à cette création d'exister. Et il ne s'agit pas seulement, finalement, de rémunérer les artistes, il suffit aussi de penser tout simplement au coût que peut représenter le déplacement d'un décor. Il y a juste une anecdote au passage, quand Sheda a été programmé dans le festival IN, et que les répétitions se sont faites effectivement à Brazzaville, le décor a été fabriqué, pensé donc, entre autres par Frédéric Janvier, c'est ça ? Et Patrick Janvier, je mélange Frédéric Gossier et Patrick Janvier, ça y est. Patrick Janvier a donc coordonné la construction de ces décors qui n'ont jamais pu venir à Avignon pour des raisons de coût, pour des raisons éminemment donc matérielles et concrètes. Alors, voilà que nous arrive justement Dieudonné. Bonjour Dieudonné. Bonjour. Et voilà, je suis très contente qu'on puisse justement être ensemble réunis et que Dieudonné donc, et Étienne soient aussi assis à côté l'un de l'autre, puisque je parlais tout à l'heure de cette complicité. Alors, quelques mots quand même, je voulais démarrer justement là-dessus et j'ai un peu empiété sur des éléments de mon introduction, mais je voudrais dire quelques mots sur ton parcours. Dans la mesure où je dirais qu'on touche presque à une date anniversaire aujourd'hui, dans la mesure où voilà 40 ans hein, que tu es né à Brazzaville, et en même temps ça fait 20 ans que tu fais du théâtre. Ça fait 20 ans que tu boxes justement les situations, que tu ne baisses pas les bras. Il y a une journaliste qui écrivait de toi que tu étais du béton. Et c'est assez drôle de penser Dieudonné en béton, dans la mesure où en même temps il peut se liquéfier complètement, il est aussi une espèce de parole fleuve, et je pense qu'on en aura quelques exemples tout à l'heure grâce à la vidéo.
Dieudonné donc, a lancé dans les années 90, on était vers la fin des années, vers le milieu des années 90, une compagnie qui existe toujours aujourd'hui, Les Bruits de la Rue. Et c'est une compagnie qui, finalement, a existé envers et contre tout, puisqu'elle elle est née dans un Brazzaville qui avait été ravagé par la guerre civile, où il n'y avait plus de théâtre. Il y avait même, on pouvait même se demander comment il pouvait y avoir encore du désir de théâtre dans une situation de chaos total. Et pourtant, effectivement, Dieudonné, avec Chris Nyanguna, ont créé cette compagnie en jouant même sur donc l'idée de la dimension explosive. Les bruits de la rue, c'est pas seulement les brouhahas de la rue, c'est aussi les bombes qui pouvaient tomber à droite ou à gauche, c'était les gravats qu'on pouvait entendre s'écrouler, c'était toutes sortes de choses qui marquaient finalement la réalité d'une ville en guerre de l'intérieur, puisque c'était une guerre civile. Donc ça traduisait à la fois le malaise et en même temps la capacité de résistance à ce malaise, les bruits de la rue. Alors, j'ai trouvé finalement, bon, je me suis dit, mais il y a une chose assez intéressante par rapport à la notion de résistance et la façon dont la culture, sans forcément être porteuse d'économie financière, peut aussi être porteuse précisément de résistance et de capacité à voir un bout de ciel, là où apparemment il n'y a pas de rêve possible. C'est qu'en créant finalement cette compagnie, un des spectacles que la compagnie a créé après Carré Blanc, je crois que c'est après Carré Blanc, mais tu me rectifieras si je dis des bêtises, c'est une pièce de Were Were Leaking, en tout cas d'après, adaptée par Dieudonné, ouais. D'après Were Were Leaking. Ouais, avant Carré Blanc. Ouais. Et c'était avant Carré Blanc. Et cette pièce, c'est important qu'elle soit de Were Were Leaking. D'abord parce que Were Were Leaking a été justement une des pionnières en matière de capacité, je dirais, d'accompagnement de la jeunesse en Côte d'Ivoire à travers le fameux village Kiyi qui fête ses 30 ans, cette année. Ce village Kiyi, c'était un village dans lequel elle a transmis des savoir-faire liés à la danse, aux arts plastiques, au théâtre. Et même si elle a évidemment eu aussi une carrière d'artiste, elle a toujours réinsufflé les moyens économiques qu'elle pouvait ramener par son propre art à l'intérieur donc, de la gestion de ce village communautaire. Avec toutes les dérives que ça peut avoir, évidemment, bien sûr, parce qu'il y a une dimension un peu collective avec quelque chose qui peut renvoyer à la dimension un peu sectaire. On a vu parfois dans Were Leaking, vu sa personnalité donc plantureuse et autoritaire, une espèce de gourou au féminin. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, puisqu'il s'agissait aussi de résister à toutes sortes d'impossibilités. Alors, cette notion-là, cette notion de résistance, résistance et en même temps indépendance, comment fait-on avec cette notion-là? C'est vraiment ce qui va pouvoir peut-être un peu guider, en tout cas, notre réflexion. Alors, je vais quand même redire quelques mots pour rendre hommage à mes camarades, parce que c'est important que vous situiez un peu d'où parle chacun. Donc, les artistes, Dieudonné, on a vu donc son parcours jusqu'à Kung Fu aujourd'hui. Et puis, je vais dire quand même une autre petite chose importante, c'est qu'il a été aussi associé au festival d'Avignon IN après avoir été invité par deux fois. Et il a donc présenté Sheda, dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre vraiment d'un spectacle d'envergure à la carrière Bourbon. Ça a été, c'est une dimension de reconnaissance importante. Puis il y a eu, bien sûr, d'autres spectacles qui ont marqué également, dont le Socle des Vertiges. On peut même dire que Dieudonné est un peu l'enfant chéri du Festival de Limoges, car beaucoup, beaucoup de choses ont été créées, sont passées. Donc, j'y reviendrai parce que, justement, c'est la notion du paradoxe par rapport à la question de l'indépendance. Comment faire pour à la fois s'appuyer sur des financements qui sont finalement des financements qui sont dans la lignée du post-colonial, on va dire, et en même temps pouvoir trouver son identité, son indépendance et affirmer donc quelque chose de nouveau. Alors, avant de faire cette petite introduction, je voudrais juste évoquer mes camarades
par rapport au fait que, donc, voilà, on a des artistes, bon, on s'est séparés, mais on n'est pas séparés du tout, on n'espère pas. Donc, en fait, Martial Zebeninga, économiste de la culture, il a donc toute une activité de chercheur, grâce aussi à un profil très, je dirais, pluridisciplinaire, puisqu'il est à la fois, diplômé dans le domaine de la sociologie, mais aussi dans le domaine de l'économie et même du commerce international. Et il a eu plusieurs activités d'expertise et de consulting, notamment auprès d'un programme important d'histoire de l'Afrique à l'UNESCO. Et donc, il nous parlera en fait d'une dimension qui a à voir avec l'économie de la culture beaucoup plus largement que les questions, effectivement, du théâtre dont nous allons parler. Mais je pense que c'est particulièrement important de pouvoir voir l'approche, effectivement, des enjeux culturels en ce qui concerne l'Afrique francophone et ce continent de manière large, au-delà du théâtre. Donc le théâtre va être une espèce de marchepied qui permet aussi de comprendre un certain nombre de réalités et de contradictions qui marquent l'histoire de l'Afrique et de la France, hein, dans ce contexte de la francophonie. Mais en même temps, il faut aller de l'avant, je pense, et c'est pourquoi j'ai souhaité vraiment qu'on puisse donc aller du théâtre vers une économie de la culture plus large. Et puis, donc, Julie Péguigny est anthropologue, elle est enseignante dans le département de communication à Paris 8, et c'est donc une chercheuse de terrain qui a accompagné en fait les lieux de spectacle dont nous allons parler avec sa caméra. Il s'agit notamment donc des récréatrales, mais aussi le Mansina Théâtre, le festival Mansina que dirige Dieudonné, qui est une autre facette, effectivement, une autre face du personnage, puisque je vous en ai parlé comme d'un artiste haut en couleur et avec effectivement ses qualités de comédien, de metteur en scène et d'auteur, mais il a aussi cette détermination d'être un passeur de spectacle à travers donc le Mansina. Alors nous pourrons voir des images et on va peut-être les voir tout de suite, peut-être ces images. Voilà, de manière que je parlerai après de mon voilà, c'est le petit parcours historique que je voulais faire de la coopération, enfin des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on en arrive à ces paroles dont que vous allez entendre. Voilà. On va lancer le film maintenant. Très bien. Ça va pour vous, Maxime ? Moi, je le dis à Jacques de Odessima, il y a 100 millions d'empathies de comédiens très bien en français. Il y a 100 millions de comédiens qui pensent à la télé pour deux comédiens très bien en les enseignes. Il y a 100 millions de confusion et de métropiété avec toute la facilité de rendre les choses inutiles, impuissantes et finalement inexistantes pour ne pas dire interdites très bien en les enseignes. Il y a trop de sponsors qui ne comprennent rien à rien en les enseignes. Des partenaires qui font chier parce qu'ils pensent qu'ils sont la lune et le ciel à croire que s'ils disparaissent, l'âme meurt en les enseignes. Des conversations sucrées à la gomme et qui se disent qu'ils ont encore des leçons à nous donner, nous ici dans ce groupe, en les enseignes. Des administrateurs de l'État dont je me paraisse impressionnante, en les enseignes. Voilà ce que dit le comédien seul sur scène debout devant un public plein à craquer les murs du théâtre. Très bien, on les encercle. Voilà ce que dit le directeur de festival. Il y a 100 millions d'apathies pour deux comédiens. Très bien, on les encercle. Ici, Dieu de l'Oyakona, si vous entendez cette voix, je vous aide la résistance. L'année dernière, et aujourd'hui, je me réjouis de voir qu'elle sera chantée par la jeunesse partout. Parce qu'enfin, la jeunesse a compris qu'elle doit se lever pour prendre les clés de son destin en main. Trop bien. Et cette chanson-là, elle s'appelle ce président-là. Ce président, il faut qu'il
De dérangement à ton égard. À
Alors de tout simplement, non. Vous savez, les gens ne pensent jamais de mal. Les gens, il faut les changer. C'est tout. Changer le regard qu'ils ont des autres. Avec amour et paix, dans la convivialité, avec leur assentiment, avec respect. Toute la beauté et toute la sorcellerie d'avance. C'est toute la beauté d'être en même de l'emporter en acceptant coup par coup, mais en renvoyant bien davantage. Pour laisser la beauté. La boxe, c'est pas un acte naturel. La boxe, c'est la controverse de toutes les logiques comme le théâtre. Même pour boxer, boxe. Même dans la gêne, au fond du trou, en compagnie des décraqués qui brûlent comme des loups, au nuf, même dans l'extrême misère, dans les townships, dans les ghettos, dans les fabulas, dans la pauvreté parfaite, tu tiens, moi, il faut boxer, 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 boxer la situation. Même si le confort dépasse ses limites physiques, en maîtrisant un autre boucle comme une sorte de deuxième armure de lui-même, le combat au-delà de toute évidence ferait entendre que l'art de boxer est une loyauté qui nous enseigne qu'on pourrait combattre vain toutes les impossibilités de l'univers. Et pour faire du théâtre et de la culture en Afrique, il faut boxer la situation. Mais c'est le genre de combat aussi qu'on ne refuse pas. Parce que nous ne sommes des titans que pour cela. Pour tendre la main au raide, pour qu'il prenne sa place. Et pour laisser l'homme fabriqué par le raide, s'accaparer de sa vie par le sujet et se libérer. C'est pas lui, et vous les laissez pas prendre. Alors vous comprendrez pourquoi le théâtre africain est un problème. Ceux qui survivront de leur théâtre par le théâtre de l'autre, ceux qui survivront du théâtre des autres par leur théâtre, ceux pour qui le théâtre n'est déjà dans leur théâtre, mais ceux qui doivent inventer le théâtre, de la nécessité à l'utilité. Des combats de boxe où on se bat contre de puissants challengers, des puissants ceux qui tous parient contre nous. Comme si on était déjà donné à elle. Madame, recueillez-vous. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est le futur. Quelques images pour que vous puissiez aussi avoir, je dirais, la température de ce que ça représente, cet engagement et cette métaphore de boxer la situation, qui n'est d'ailleurs bien souvent pas qu'une métaphore, je suppose, d'avoir vraiment de la résistance, hein, vraiment. Alors, je voudrais donner quelques repères, historiques et politiques, qui permettent de comprendre de quelle situation il s'agit et pourquoi est-ce qu'effectivement les théâtres d'Afrique se retrouvent aussi enfermés et parfois muselés en quelque sorte, d'abord parce qu'on leur colle cette fameuse étiquette de théâtre africain dont je parlais tout à l'heure. Et d'où vient cette fameuse étiquette? Il se trouve que, bon, vous connaissez bien effectivement la question des indépendances, hein, donc cette histoire qui relie la France, mais les autres pays occidentaux, bien sûr, avec l'Afrique, qui fait que donc dans les années 60 arrivent les fameuses indépendances. On pourrait se dire, donc après les indépendances, finalement, donc chacun chez soi.
Or, la question, en fait, de la culture et du spectacle vivant va jouer un rôle incroyable dans la dimension politique. Il se trouve que, finalement, la culture, et tout particulièrement le théâtre, on se dit souvent que le théâtre, ça ne sert pas à grand-chose, ça n'a pas un grand intérêt, enfin, face à un char d'assaut, on choisit le char d'assaut. Eh bien, il se trouve, en fait, que le théâtre a servi, dès le début de ce qu'on a appelé bientôt la coopération, a servi d'une sorte de cheval de Troie, c'est-à-dire que les affaires étrangères, en 62, ont commencé à créer un organisme qui s'appelle l'Agence de coopération et d'échange culturel, l'ADEAC, qui va permettre, en fait, d'envoyer en Afrique des conseillers, de créer toutes sortes d'activités, d'expertise, de rapports auprès, effectivement, des présidents en place, mais aussi, donc, bien entendu, de pouvoir avoir une présence sur le territoire de manière à soi-disant, alors évidemment, il s'agissait de faire un état des lieux, notamment du théâtre, puisque l'ADEAC, au départ, c'était la culture, et puis finalement, c'est devenu vraiment une question théâtrale. Et on a lancé comme ça des missions donc importantes. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce que je suis directement concernée par cette aventure, puisque l'Institut d'études théâtrales, qui a été créé par Jacques Scherrer, eh bien, se crée effectivement à la fin des années 50, donc en 59, et dès le milieu des années 60 à peu près, Jacques Scherrer est envoyé en mission en Afrique pour faire un état des lieux, donc il fait tout un voyage, pour faire l'état des lieux de ce qui ne va pas, ce qui manque. Il n'y a pas de lieu structurel, il n'y a pas assez d'écrivains, il n'y a pas... Et en même temps, vous allez me dire, cette question finalement de l'état des lieux aurait dû amener à du changement. Mais non, on se contentait de dire, voilà, il faudrait envoyer des formateurs, alors on va envoyer des formateurs. Tout ce dispositif, quand on lit, alors là je vais vous en faire grâce, hein, mais quand on lit finalement les rapports qui ont été faits de ces moments-là, eh bien ce sont tout le temps des rapports qui expriment de manière très clairement qu'il fallait effectivement une présence française auprès des États, et donc que les activités de conseiller étaient finalement des activités, on pourrait presque dire d'espionnage, quelque part, enfin, mais en même temps d'influence. Donc on influençait sur le fait qu'il fallait accompagner, donc si tout à l'heure, si jamais on avait le temps, je pourrais vous lire un extrait de ça, mais il fallait accompagner donc du côté de l'élaboration d'un théâtre africain, néo-africain. Donc c'est depuis la France qu'on décidait de quel théâtre il fallait pour l'Afrique. Et puis d'un autre côté, on incitait également, très précisément, les nouveaux dirigeants à développer plutôt les expressions issues de la tradition. Donc ça, on est à peu près des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Avec à un moment donné, ce qu'on appelle la voie du retour, donc le fait, vous allez avoir arrivé le Festival de Nancy, dans lequel on va faire connaître des spectacles d'Afrique, donc le fameux théâtre africain qu'on a circonscrit, on sait à quoi c'est, ce que ça représente, le nombre de plumes derrière, comme dirait Cossier Fouy, qu'il faut pour ce type de théâtre, eh bien, on va le présenter au Théâtre des Nations, ou ensuite au Festival de Nancy. Jusqu'au moment où il y a un basculement important de la France dans les années 80, vous savez, la gauche arrive, mais en même temps la montée du Front National, et à ce moment-là, on se dit, cette circulation-là, ce retour, c'est un peu embêtant, donc on va créer un festival, on va créer des espaces pour faire connaître le théâtre africain. Et ça va être la création du Festival de Limoges, le Théâtre international de langue française, par exemple. Donc, on est au début des années 80. Donc, il y a toute une période, effectivement, où il y a cet accompagnement, mais en même temps, du coup, ça ne permet pas véritablement aux États de... Donc, dans les années 70, on voit bien que tout était un peu piloté depuis la France. À partir du moment où se crée le Festival de Limoges devient une espèce d'aimant. Et en même temps, les productions, les créations se font avec l'Institut français, l'Organisation internationale de la francophonie, toutes sortes de structures qui alimentent financièrement donc les productions, les créations possibles, mais ne permettent pas véritablement une indépendance créative, puisque les choses sont pilotées de l'extérieur. Ce qui va, effectivement, donc, c'est toute la difficulté de boxer de l'intérieur, justement, c'est comment faire pour... Puisque dans les États africains, la culture n'est quasiment pas financée, et de l'autre,
si on se contente simplement des financements de l'Institut français, de la coopération ou de ce que représentent aujourd'hui des structures donc comme festivalières, comme Limoges par exemple, comme le Festival de Limoges, à quel endroit, comment fait-on pour ce débat, enfin pour se, en quelque sorte, déplacer les choses à cet endroit-là. Donc, c'est précisément à cette étape-là que se jouent les récréatrices de Mancina et la démarche donc, de Dieudonné, est-ce qu'on a pu voir. Alors, j'aimerais effectivement, Julie, que tu expliques peut-être, que tu dises quelques mots sur ton travail, sur ton regard aussi, qu'est-ce que tu as choisi de nous montrer. Peut-être d'abord, Dieudonné, pour dire cette phrase qui te semblait importante et que de ton discours d'Avignon, que j'avais noté, qui m'apportait beaucoup, donc je la lis. « Ma grand-mère racontait des histoires du matin jusqu'au soir. C'était une espèce d'Homère. Évidemment, les auteurs que j'ai aimés, ce sont Ernest Muller, Bernard-Marie Coltès, je les ai mangés. Ils sont rentrés en moi. Toutes ces choses-là, quand ça sort, ça donne le syndrome de Frankenstein. On est des Frankenstein de nos mondes. Il est important d'accepter les Frankenstein que nous sommes. » Et tu as raison de dire que c'est une phrase vraiment importante et qui fait pivot dans ce que tu disais à Avignon. Alors le parcours que j'ai essayé de condenser dans ces 10 minutes qui m'étaient accordées un peu d'image, c'était de montrer, de repartir des fraternités entre vos deux festivals, avec cet écho entre un discours du donné que tu as prononcé, donc deux festivals dont vous allez parler, mais donc qui existent depuis 2002 et 2003, qui sont des festivals qui sont soit tous les ans pour le festival Mancina sur Seine à Brazzaville en décembre, soit des biennales à Ouagadougou, qu'organise donc dirige Étienne Minungou. Et donc de dire que j'ai commencé ça sur cette parenté entre ce discours qui circule de manière contagieuse entre vos festivals, entre les éditions 2013 et en février 2014 avec ce « On les encercle », j'ai donné qui me semblait une très belle parole sur comment faire du théâtre en Afrique justement. Et après c'est un parcours qui reprend des paroles d'Étienne sur son festival et des images qui montrent dans cette maquette qui était la maquette de l'édition 2014. Dès février, cette maquette, tu nous l'as présentée, Étienne, puisque ton festival fonctionne en 3 temps. En février, tu nous parleras de ces 3 temps, mais un temps d'incubation, un temps de création et puis un temps de partage réellement. Et dans ce premier temps, cette maquette que tu nous présentais montre la part essentielle et très importante de la scénographie dans ton festival. Ensuite, Dieudonné, moi je trouve le discours que tu as prononcé à la clôture de ce festival d'Avignon où tu as été artiste invité extrêmement important pour comprendre d'où tu parles et d'où parle avec toi et au-delà de toi, comme tu le dis, ce théâtre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire entendre. Et ensuite, c'est des images donc, de M'appelle Mohamed Ali sur un texte de Dieudonné Nyanguna qui a été interprété donc, par Étienne Minungou qui a tourné qui a énormément tourné, une tournée internationale qui continue encore à tourner. Étienne, là, tu vas le jouer dès mardi prochain. En France. Et donc c'est un spectacle qui a aussi eu le soutien de l'IFC pour une tournée sous-régionale en Afrique et qui à la fois illustre votre amitié, votre fraternité dans ces luttes et ces combats par ce thème de Mohamed, enfin par ce thème de données sur lequel tu as choisi d'écrire et qui est une figure à la fois du panafricanisme et de la résistance extrêmement importante et qui à la fois par rapport aux logiques économiques dont on parle aussi me semblait extrêmement intéressante parce que c'est aussi grâce au succès de ce spectacle que va pouvoir être financé plusieurs créations par la suite et que toute l'action face à laquelle vous œuvrez peut aussi se consolider. Donc voilà un peu le parcours que je voulais proposer. Et j'imagine que je vous laisse la parole, Dieudonné, Étienne, pour parler de vos festivals. Oui, Dieudonné, la question du Frankenstein, on va en parler tout de suite. Cette question du Frankenstein, elle est entièrement, à mon avis, dans la relation aussi avec la boxe, à la fois donc, la construction
justement d'un théâtre qui ne veut pas créer de clivage, qui aborde finalement un matériau sans distinction de, je dirais, de genre ou de noblesse ou de hauteur. Et c'est précisément ce que tu fais avec Kung Fu, c'est-à-dire que amener d'ailleurs, je ne sais pas hein, si par le passé il y a déjà eu une référence au cinéma Kung Fu au TNS, mais à mon avis, ça doit faire partie des choses un peu originales, puisqu'on est dans la démarche hyper populaire. Et donc ton théâtre peut à la fois faire le grand écart entre quelque chose qui a à voir avec l'extrême populaire, avec des formes donc western, donc le cinéma, et puis des formes beaucoup plus théâtre antique, épique, etc. Le Frankenstein, il est là, cette notion-là, enfin, bon, donc bien entendu, mais aussi c'est l'image toujours du boxeur, du visage tuméfié, du fait qu'il faut aller de l'avant, même si on est dévisagé par la lutte, il faut aller de l'avant. Alors, allez, vas-y, exprime-toi. Je vais dire quoi ? Je suis très très content d'être ici et de discuter avec vous autour de cette question, donc de l'économie du spectacle en Afrique, donc des moyens qu'on doit avoir pour faire des choses. Et, comme je dis toujours, les premiers moyens qu'on peut avoir dans nos territoires quand on fait nos choses, donc nos théâtres, nos festivals, quand on pour créer nos spectacles, les premiers moyens ne peuvent être que d'abord notre volonté incroyable. Si on a une espèce de volonté, mais réellement incroyable, je crois que le reste, on peut arriver à le faire, même si on n'arrive pas à le faire à 100%, l'important n'est pas là, mais déjà le provoquer. On peut déjà provoquer un avenir, de telle manière que si aujourd'hui on a gagné 20, demain peut-être on aurait 40, après demain peut-être 60, mais pour que ce 60 après-demain arrive, il faudrait que la personne qui commence ce début-là, dès le début, parte avec une volonté qui est incroyable. Parce que tout part de comment, évidemment, comme avec ce sport de belle trappe, comment le disque est lancé. Ouais. C'est avec quelle force on propulse. Et cette force avec laquelle, par laquelle on propulse ce disque-là, évidemment, ce n'est pas les moyens d'abord. C'est la hauteur de la volonté. C'est la hauteur de la volonté. C'est comme cette belle phrase-là de Tupac, que j'adore très bien, Tupac, mon rappeur, cette belle phrase de Tupac que j'adore, qui dit « Les guerres se succèdent, mais l'âme du guerrier reste invincible. » Et moi, je l'adore très bien parce que le premier guerrier qui est parti à la bataille, qui a reçu une cartouche, c'est le même que 5 ans après, quand on va gagner la bataille, qu'on va mettre le drapeau, c'est le même. Parce que si le premier qui était parti, s'il avait reculé, s'il avait fui tout blabla, ben, c'est que 5 ans après, on n'aura pas celui qui va mettre le drapeau français en haut de la cathédrale de Strasbourg. Donc, les guerres se succèdent, mais l'âme du guerrier reste invincible parce que c'est le même guerrier. Donc, le premier moyen que j'utilise, c'est d'abord son corps, son énergie, sa volonté, son rêve. C'est la première chose à mettre dans la cagnotte. Donc c'est la première mise, pour qu'évidemment ce jackpot puisse marcher après. Donc vous misez le bon jeton, c'est d'abord soi-même, c'est la première monnaie. Évidemment c'est déjà assez violent de dire que soi-même c'est la première monnaie, parce que c'est comme si on se vendait soi-même. Parce que c'est comme si on était, ben, soi-même être la première monnaie quoi. C'est-à-dire je prends ma vie, je prends mon corps, mon rêve, et c'est ça que je mets dans la cagnotte. On est quand même dans une forme d'auto-esclavagisation assez intéressante. Mais tant que c'est pour des belles raisons, c'est-à-dire ce que nous, on considère comme étant des belles raisons, eh ben, évidemment, on se troque. Donc voilà, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que j'utilise évidemment pour arriver à être à même de boutiquer des choses, de créer des choses avec cette invention des moyens. Donc la première chose, c'est comment, évidemment, une fois que je me sois servi de moi, comment je peux me servir aussi de mes créations, de tout ce que je crée comme spectacle, comme événement culturel, avant d'arriver aux événements culturels, pardon, comme spectacle ou comme activité littéraire, tout ce que je peux obtenir avec, que ce soit de la renommée ou de la célébrité, que ce soit de l'argent, que ce soit tout ce que je peux obtenir, tout, que ce soit en valeur monétaire, en valeur conception, en valeur de reconnaissance, tout ce que je peux obtenir, mais vraiment tout, je le prends, je le remets dans la cagnotte pour créer un festival ou pour créer un spectacle. C'est-à-dire, je me sers encore de tous les avantages que je peux avoir pour... Donc, je ramasse ça, je le mets dans la cagnotte pour créer un festival, mais ça veut aussi dire quoi ? Il faut que je fructifie tout avantage que je dois avoir. Tout gain que je dois avoir, je dois le fructifier pour qu'à son tour, il puisse évidemment développer d'autres voies. Donc ça, évidemment, c'est la donne évidemment, que je considère aussi très très importante parce que c'est la seconde. Alors après, là, on arrive à une troisième dimension pour moi qui est très très complexe. C'est-à-dire là, on commence à rentrer maintenant dans une discussion réelle, dans une confrontation réelle avec le politique. C'est-à-dire comment arriver à avoir
des libertés réellement de faire, notamment pour le cas du festival, de faire un festival là à Brazzaville, ce qui s'appelle non seulement programmer des spectacles qui doivent jouer au festival, alors programmer veut dire les payer, les produire, non seulement ça, mais surtout comment les emmener à créer des spectacles. Parce que ce n'est pas non plus tout le temps qu'on a dans une année 15 ou 20 personnes qui ont fait des créations quand on est dans une ville comme Brazzaville. C'est-à-dire, il arrive quand on arrive, parce que c'est un peu paradoxal quand on arrive au festival Matino, quand on regarde le programme du festival, tu peux trouver une vingtaine de spectacles, une trentaine de spectacles, avec des lectures, des performances, tout et tout. Mais au fait, ça, c'est l'activité qui voudrait qu'il y en ait. Je vais vous donner un exemple tout simple. À un moment là, c'était en 2008 et 2009, on n'avait pas fait l'émission de Mantina, donc on avait observé deux années sabbatiques comme ça pour réfléchir. Et pendant ces deux années-là, eh ben, il y a eu deux personnes qui ont créé des spectacles à Brazzaville. Deux années de création. Donc c'est très très facile pour que, évidemment, moi je crois que les choses peuvent disparaître si on ne se réveille pas. C'est possible, ça peut disparaître. Parce que souvent on croit qu'il y a une culture qui est installée, une habitude, oui, mais ça s'effrite. Ça va très très vite, comme disait ma grand-mère, ça glisse. Ça glisse, tant qu'on ne serre pas très très fort, ça glisse entre les doigts, oui. Donc même quand on arrive et qu'on regarde ce programme de festival, au fait, donc, c'est aussi comment arriver à fabriquer du désir chez les gens, chez les jeunes artistes, chez les jeunes metteurs en scène, les jeunes comédiens, pour que, évidemment, eux aussi puissent s'armer d'abord de leur désir, de leur engagement, pour créer ceci, pour créer un spectacle, écrire un texte et tout. Donc c'est même temps, c'est une petite fabrique de désir. Comment nous, on fabrique du désir, mais comment on doit... Pas simplement parce que j'allais dire le mot influencer, mais je préfère dire insuffler une espèce d'énergie comme ça à nos jeunes consoeurs, à nos jeunes confrères qui sont là sur le territoire, pour que, évidemment, avec ce courage qu'on va leur insuffler, cette énergie, qu'eux, évidemment, puissent accoucher des choses, des fois qui sont complètement en eux, mais des fois qu'ils ont de la peine à accoucher parce qu'il faut les coacher. Avant qu'on arrive au problème d'argent, hein, parce que d'abord, il faut les coacher, parce que d'abord, il faut leur donner un maximum de courage. Quand on vit dans des situations, évidemment, de dictature comme ça, ou de misère comme ça, ou des conceptions de tu es qui, tu passes, où est-ce que tu passes ou tu passes pas. Donc, il faut vachement les armer de courage, de tonus, d'énergie, d'envie, leur donner vraiment de l'envie, et que ça puisse résonner en nous, comme étant une force, comme étant une création possible. Bon. Cette chose-là, une fois que je les insuffle, ou qu'on les insuffle, disons, auprès de nos jeunes artistes qui sont là sur place, et après, il faut que ça les emmène, évidemment, eux, à leur endroit, à ce qu'ils puissent mettre en place un certain nombre de projets. Et ce sont ces projets-là qui vont constituer aussi en partie le festival. Parce que je ne peux pas que constituer le festival en me disant, tiens, j'ai vu tel spectacle quelque part, c'est un bon spectacle, je l'achète. J'ai vu tel spectacle quelque part, je l'achète. J'ai vu tel spectacle. Non, ça c'est de la connerie, ça c'est un marché. Enfin, c'est pas de la connerie, c'est important, mais je ne suis pas en train de répondre à cette question du marché. Je suis pas là pour fabriquer le marché. C'est-à-dire, on met un festival en place dans nos territoires parce qu'on a besoin de répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire, notamment, il y a un désert là, il y a une espèce de sécheresse qui ne dit pas son nom, mais en plus, qui va continuer encore à s'exercer si, évidemment, nous n'irriguons pas le territoire. Donc, évidemment, je crée un festival parce qu'il est question de formation sur le territoire puisqu'il n'y a pas d'école de théâtre. Je crée un festival parce qu'évidemment, comme je dis toujours, il faut que la maman qui vend des cacahuètes à côté vienne au théâtre. Il faut que le mécanicien qui répare des pneus vienne voir un spectacle. Il faut que le gamin qui va à l'école vienne voir du théâtre. Il faut que le retraité ait droit au théâtre. Voilà, donc, je crée un festival parce qu'on doit avoir droit à l'art dans cet endroit-là où, évidemment, les choses ne sont pas. On crée cette chose-là parce qu'évidemment, on a des auteurs qui écrivent des choses, mais qu'on ne connaît pas. Il faut faire entendre leur langue et leur pensée, parce que quelle misère pour un peuple qui ne connaît pas son poète. D'abord, pour un peuple qui n'a pas de poète, et en plus, un peuple qui ne connaît pas son poète. Alors, ça, c'est une médiocrité incroyable, c'est un niveau de sous-développement incroyable. Donc, aussi, pour qu'on entende ce qu'on se pense nous-mêmes, et des gens qui pensent sur nos territoires, en partant d'eux et de leur poétique. Donc, c'est par rapport à toutes ces choses-là, réellement, à toutes ces questions-là, pour lutter contre une espèce de léthargie, une espèce d'apathie, aussi une espèce de sous-développement qui n'arrête pas, évidemment, de prendre du muscle. Comment le repousser beaucoup plus loin, le jeter dans le fleuve Congo, le repousser à plus tard la mort de la vie. Pas la mort, puisqu'on finira par mourir, mais la mort de la vie. Donc s'éteindre en étant là, comment repousser à plus tard la mort de la vie. Donc, c'est par rapport à ces questions-là. Donc, du coup, créer un festival n'est d'abord pas pour moi une question d'acheter un spectacle parce qu'il est beau, parce qu'il est génial. Non, il y a un spectacle, je sais pas où tu veux, tu vas des spectacles. J'ai d'abord question de résoudre des réels problèmes qui sont évidemment à la base, qui sont le nœud du problème, le nœud de ce sous-développement culturel. C'est d'abord ça qu'il faut résoudre. Parce que ces questions-là, si on ne commence pas
par les résoudre. Si un jour on ne commence pas réellement à les résoudre, on va continuer à développer les clichés. C'est-à-dire on va ouvrir la bouche et on va avaler tout ce qui va arriver par Air France, tout ce qui va arriver par les États-Unis, le Japon, tout ce que tu veux, même tout ce qui va arriver, même de chez toi, tant que tu ne l'as pas pensé, eh bien, tu vas sortir les mêmes que tu vas encore avaler. Et donc du coup, moi je crois que quand on a créé le festival, le premier désir qu'on avait évidemment, c'était celui-là. Comment ne pas continuer dans la fabrication des clichés? Comment ne pas continuer à être à cet endroit-là où on sera esclave d'un système et finalement esclave de nous-mêmes, puisque au début on nous force de faire un truc, puis après on nous force plus tellement de le faire. À la fin, c'est nous-mêmes qui allons prêter le coup pour qu'on nous mette la corde tout autour, tant qu'on n'a pas réfléchi à la chose. Et donc un jour il faudrait commencer, comme disait le grand Aimé Césaire, un jour il faudrait commencer quoi, la fin du monde par bleu. Et donc il faut commencer la fin d'un système pour accoucher un autre. Évidemment c'est très difficile parce qu'on va au charbon, évidemment parce que les ennemis sont en face et là tu les vois réellement, ils se présentent, pour la simple raison qu'on n'est pas en train de faire des feux d'artifice, mais qu'on est réellement en train d'allumer le vrai feu. Et pour la simple raison qu'évidemment on prend les choses à rebousse-poil, on ne fait pas des choses pour plaire mais pour créer du sens. On fait des choses pour créer une école, on fait des choses pour créer un réel public, pas parce que ça lui plaît, mais parce que ça doit compter dans sa vie. Donc on arrive à une relation qui met vraiment en ligne la création de l'utilité et de la nécessité de la chose. De la nécessité de la chose et de l'utilité de la chose avant d'arriver au plaisir de regarder la chose simplement. Alors évidemment, donc c'est à l'intérieur de ce désir, de ce conglomérat-là, que le grand challenge se passe avec les politiques. C'est à partir de cet endroit que le grand challenge se passe avec le politique. C'est la question du territoire, en fait, puisqu'il s'agit de faire du théâtre dans un territoire et pas dans l'idée de le faire pour ailleurs. Donc de construire vraiment pour les spectateurs de Brazza ou de Pointe-Noire, en tout cas, déjà de là-bas, et ensuite aussi de créer du réseau entre les festivals d'Afrique, ou en tout cas entre les plateformes de création. Parce que ça, c'est une chose importante. Je ne sais pas si tout le public se rend compte que le Congo, ça n'est pas à côté du Burkina Faso, hein, du tout. C'est deux pays d'Afrique francophone qui sont dans le continent africain, vraiment, l'un est du côté de l'Afrique équatoriale, et l'autre est du côté de l'Afrique de l'Ouest, donc proche... en fait, de la Côte d'Ivoire, Sénégal, enfin de ce côté-là, alors que de l'autre côté, c'est pas le même climat. On connaît, quoi. Il faut l'entendre. Pas forcément tout le monde. J'allais ajouter, merci Sylvie. J'allais ajouter, donc, comme j'étais en train de dire, c'est dans cette confrontation-là, évidemment, c'est à cet endroit-là, parce qu'on revient à l'utilité et à la nécessité de la chose, qu'évidemment, on rentre en fight contre évidemment, le... certaines formes de rigidité institutionnelle, notamment au Congo, et aussi dans son rapport politique, dans les rapports politiques avec certaines formes d'institutions, notamment en France. Alors là, pour continuer, parce que c'est là où je m'étais arrêté, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais trouver les moyens? Parce que c'est toute cette question-là. Où est-ce que je vais trouver les moyens? Je ne vais pas vous donner toutes les cartes que j'ai, mais quand même, je vais vous les dire d'une certaine manière. L'une, la première qui sera très très pratique, parce que je vous en ai déjà filé trois qui sont des recettes, mais vraiment des recettes de bout de ficelle. Évidemment, on fait des festivals de bout de ficelle, mais ce qui compte, c'est ce que ça raconte. Quand on fait des festivals qui parlent des moyens de bout de ficelle, mais pour créer quelque chose de très fort, qui sera plus bout de ficelle. C'est ça, pour moi, qui est intéressant dans l'affaire. Alors, pour gagner une guerre, règle numéro 1, il faut avoir des alliés. Oui, tu connais ton adversaire, quelle est la règle numéro 1? Il faut connaître son adversaire, maîtriser la technique de son adversaire et comment il fonctionne, tout ce que tu veux. Et voilà, de manière très très pratique, il faut avoir des alliés. Parce que moi, je ne veux pas savoir qu'un côté en nourrit un autre. Voilà, et c'est un côté toujours qui va en nourrir un autre. C'est comme ce devoir que j'adore, moi. Je l'appelle devoir, hein. Je ne l'appelle pas désir, je l'appelle devoir, qui fait partie de ma vie, qui est un sens de ma vie, qui est celui dont j'enlève la Méditerranée. Pour faire le festival à Brazzaville, il me faut enjamber la Méditerranée sans cesse. C'est-à-dire, j'enjambe et après je reviens. J'enjambe. Mais enjamber, pas aller, c'est pas un billet aller simple. C'est pas seulement aller-retour, c'est aller-retour comme ça. Ça fait ça. Il faut enjamber chaque fois. Tant que je n'enjambe pas la Méditerranée comme ça, il y
aurait pas de festival à Brazzaville, mais quand je dis festival, il faut l'entendre pas seulement dans le fait, dans le simple fait qu'on a fait un festival. Non, c'est-à-dire l'activité qui permet que les gens puissent créer des spectacles, que les jeunes puissent faire des ateliers d'écriture et apprendre à écrire du théâtre à leur endroit, que les gens puissent faire ça, et que le public soit créé du coup, et que ait droit à ça, ah ben, il faut que je fasse ça, il faut que j'enjambe la Méditerranée. C'est quelque chose d'assez important à ce moment-là. Donc, le fait d'enjamber la Méditerranée me permet de créer aussi les alliés. Mais avant d'enjamber la Méditerranée, simplement, il faut aussi enjamber les frontières, la frontière du désert, la frontière du fleuve Congo, la frontière de la forêt de Mayan. Voilà. Donc, déjà, créer des alliés, c'est un moyen, c'est une banque. L'autre qui est là, Laetitia, c'est une banque. Julie qui est là, c'est une banque. C'est de l'argent, ça, c'est de l'argent. Pour faire le festival, ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent pour que je fasse Matina. Ça, c'est de l'argent. Laetitia qui est là pour que je fasse le festival, c'est de l'argent. Mais pas parce que c'est une personne que c'est de l'argent. Mais parce que, évidemment, je l'ai rencontré à un endroit de militant, à un endroit de combattant. Je l'ai rencontré à un endroit où je sais ce qu'elle défend, où je te défends. Et que je sais très bien qu'on est dans le même bateau. Donc le fait qu'on soit dans le même bateau, qu'on ait le même désiré, qu'on combat la même chose, et qu'on se mette ensemble comme ça, on forme déjà une espèce de force, de groupuscule. À partir de là, on se partage les nouvelles. Et on monte des cours ensemble, et on monte des stratégies de bataille ensemble. À partir de là, on se change les projecteurs. Ils m'envoient chaque fois ces régisseurs pour venir à Mathieu. Donc, les régisseurs de récréatral dans ce festival, ils m'envoient toujours deux ou trois qui viennent à mon festival à Brazzaville pour aider les régisseurs là pour le festival. Ils m'envoient du matos chaque fois, des projecteurs, voilà. Je ne dégage plus aucun franc. Mais pourquoi il me les envoie? Il ne me les fait pas payer, il ne me les fait pas louer. Il me les donne. Mais quand il me les donne, lui, carrément à l'endroit où il est, il ne dit pas qu'il les donne à Dieu de Miyamoda. Il ne dit même pas qu'il les donne seulement à Mantina sur scène, non. En dehors de ces projecteurs-là, il dit qu'il est en train de lutter pour la survie du théâtre en Afrique, pour la création de ça. Donc ce n'est plus seulement une affaire de Dieu donné qui va aider. Mais ça passe par Dieu donné parce que justement, ça aurait été quelqu'un d'autre dont tu n'es pas d'accord avec les mêmes idées, il ne finira pas les projecteurs, il les fera louer. Il nous fera louer ses projecteurs, et ce qui sera d'ailleurs très très bien, parce qu'avec ces moyens-là, il pourrait continuer à développer son festival. Voilà. Donc ça, c'est de l'argent. Ça, c'est la troisième technique. Ça, c'est de l'argent, ça, c'est une économie ensemble. Et c'est, moi, j'adore bien cette expression-là que disait un ami, il faut créer des coopérations sud-sud. Ouais, les coopérations sud-sud sont vachement intéressantes aussi. Il y a la coopération Nord-Nord qui sont vachement intéressantes, ça existe depuis longtemps, puis ça, tout ce qu'on va critiquer, je vais aussi y arriver bientôt quand je les critiquerai, aux endroits où je les critique, et puis quand je leur soulèverai mon chapeau à l'endroit où je leur fais chapeau. Mais l'idée aussi que nous, on ne devrait pas faire, et c'est là que certains de nos aînés ont commencé évidemment à nous montrer un chemin qui est intéressant, parce que ça ne vient pas que de nous, mais de nos aînés, ce que je vais dire, qui ont commencé à nous montrer un bel chemin, c'est qu'ils sont rendus compte qu'il y avait la coopération Nord-Sud, et comme il y avait la coopération Nord-Sud, à un moment, on commençait à ne penser que comme ça. C'est comme si penser autrement était interdit, alors que ce n'était même pas interdit de penser autrement. Oui, c'était beaucoup plus difficile quand je pensais autrement. Évidemment, je partais au charbon. Mais voilà, après, il faut quand même aller au charbon. C'est très clair. Et donc, du coup, ils ont compris qu'à un moment, il fallait créer du Sud-Sud. Mais créer le Sud-Sud ne veut pas forcément dire être contre Nord-Sud. Non, c'est comme m'avait dit Masegoman Bongolo qui m'a pris le théâtre à Brazzaville au début des années 90. Le premier message qu'il m'avait donné à Jean-Là, il m'a dit de faire quelque chose sur le pâté. C'était le tout premier jour. Je fais un geste comme ça, puis je chante. Il m'a demandé de faire un truc que j'ai fait, puis après en même temps, je ne dirais pas que j'ai mal interprété, j'ai fait autre chose en même temps. Non, pas que j'ai fait autre chose. Il m'a demandé de faire quelque chose de très très précis, et moi je l'ai entendu d'une autre manière. Alors là, il m'a regardé, il m'a dit, mais Dieudonné, tu vas être comédien? Je lui ai dit, je vais être comédien. Il m'a dit, mais c'est pas parce que je te demande d'enlever ta casquette que tu dois enlever ta culotte. Je t'ai dit, enlève la casquette. Et c'est, pour moi, c'était une donne très claire le jour où il me l'a dit. J'ai commencé à voir la nette précision de la chose. C'est pas parce que je t'ai demandé d'enlever ta casquette que tu dois enlever ta culotte. Je t'ai dit, enlève la casquette. Donc, c'est pas parce que, évidemment, qu'on va créer des coopérations sud-sud que ça voudrait dire qu'on est contre la coopération nord-sud. Non, il faut. Grande est la bataille. Comme je le dis dans le Kung Fu, grande est la bataille. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un paquet d'alliés, mais il faut que ce soit des réels alliés. Et tu ne peux pas les trouver à l'endroit de l'argent. Il faut d'abord les trouver à l'endroit du combat parce que vous partagez le même combat. Mais si ces alliés-là, tu vas d'abord les chercher parce qu'il a de l'argent, son argent-là va te tuer, va pourrir ton combat. Son argent-là, ça sera du poison. Il va même t'acheter toi comme personne. Cet argent-là va détruire le sens du théâtre.
Il n'y aura plus d'intégrité du geste posé, il n'y aura plus le sens de cette écriture dite. Donc cet argent-là qu'on va avaler comme ça va tout détruire. Après tu vas dire, mais dans ce cas, pourquoi on a fait ça? Si c'était pour avoir de l'argent qu'on détruit la chose, pourquoi on a fait ça? Donc, il ne faudrait pas que cette quête d'argent-là soit complètement une forme de gourmandisme capitalisto-libéralisto. C'est de la merde. Donc, l'argent que je vais aller chercher, il faut que ce soit l'argent qui vient des idées. Des gens qui portent les idées. C'est ça l'argent que je vais aller chercher. Parce que ça permet que la chose puisse tenir. Nous, on n'est pas en concurrence contre un festival. On n'est pas en concurrence contre un autre, je vais dire, contre un autre festival en Afrique ou en Europe ou au Japon. Non, non. On n'est pas en concurrence contre même un type de théâtre donné ou contre un théâtre. Non, non. On est en train d'inventer notre théâtre. On est en train d'inventer un public dans un territoire. Et ça ne veut pas dire parce que j'invente un public dans un territoire que je suis contre, je ne sais pas, ce que le mec l'a fait en Martigues ou je ne sais pas, en Nicomore. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de contradiction à cet endroit-là. Donc, le fait que, évidemment, j'aille chercher de l'argent chez Étienne ne peut s'expliquer que par le fait que Étienne et moi, on est en train de chercher quelque chose de commun. Et donc, du coup, cet argent-là, on se le donne. Et c'est comme ça, évidemment, que le combat s'inscrit à cet endroit-là. Alors, il faut être, du coup, des démultiplicateurs une fois qu'on est passé par cette chose-là, donc, que j'ai expliqué. Donc, l'histoire des alliés, je vais suffisamment expliquer. Mais par là, je vais ajouter une autre chose. Donc, une petite série sur le gâteau, sur cette affaire-là, qui est peut-être un petit aléa. C'est que non seulement qu'il faut les avoir et que ça vienne des idées, mais il faut être des démultiplicateurs. Trois, quatrième ou cinquième solution dans cette affaire-là, il faut être des démultiplicateurs. Soi-même, tu crées une activité, il faut que tu sois démultiplicateur. On nous demande beaucoup, hein, mais c'est la violence du combat. Il faut se démultiplier chaque fois à tout endroit. Pourquoi est-ce qu'il faut se démultiplier? Ça aussi, je vous vends une mèche. Donc vous avez de la chance, hein. Parce que c'est des choses souvent que je garde, que je ne file pas comme ça. Pourquoi se démultiplier? Parce que, évidemment, on ne gagne pas une guerre en attaquant un seul front. Il faut attaquer différents fronts à la minute. Sinon, tu ne prends pas le territoire. Il faut que tu montes un plan. Il y a les fantassins qui vont rentrer par la terre, les migs vont survoler comme ça, pilonner. D'autres doivent passer par la mer. Il faut monter un peu. Tu n'attaques pas d'un côté pour gagner. Donc, il faut ouvrir au moins 4 ou 5 fronts à la fois. Si tu n'es pas capable d'ouvrir 4 ou 5 fronts à la fois, tu vas perdre 5 fronts, 4 ou 5 fronts à la fois, dans les fronts de guerre. Rends-toi compte que, qu'importe l'énergie, tu vas perdre la guerre. Il faut se démultiplier et avoir une stratégie incroyable et ouvrir 4 ou 5 francs à la fois. Sinon, t'es mort. Merci. Alors, Dieudonné, tu as parlé de la dimension festivalière. La démarche également d'Éric Réatral n'est pas seulement, je dirais, c'est ça l'intérêt, c'est beaucoup plus en fait qu'un festival. Bon, j'évoquais tout à l'heure trop rapidement, bien sûr, l'évolution des enjeux de coopération qui ont amené dans les années 90, cette fois, à arrêter de faire le simple festival de Limoges pour démultiplier les festivals en Afrique. Et en même temps, tout en démultipliant ces festivals, donc à peu près parce qu'il y avait des porteurs de projets qui pouvaient définir un projet de festival et aller chercher une subvention, en quelque sorte, on n'était toujours pas dans l'idée de la formation, dans l'idée de structurer, justement, dans cette relation sud-sud dont tu parlais, la capacité à faire du théâtre, déjà, à fabriquer, à en faire véritablement, surtout qu'il y a eu des moments où, par exemple, les écoles nationales des arts au Mali ou en Côte d'Ivoire ont été vraiment rayonnantes. Et puis ensuite, ça s'est aussi délité pour des raisons politiques, puisque les États ne finançaient plus. Voilà. Donc, c'est très, très important d'avoir aussi des espaces à la fois de réflexion, de fabrication, d'expérimentation, quelque chose qui relève d'une espèce d'école. Quand on voit évidemment un pays comme la France, où il y a quand même des dizaines d'écoles nationales, il n'y en a pas du tout au Congo, Brazzaville, et au Burkina Faso, il y a les récréatrales qui permettent en tout cas cette dimension de formation en scénographie, en régie, en théâtre, en jeu. Est-ce que tu peux donc parler un peu de cette idée? Comment t'es venue? Je sais que ça s'est structuré peu à peu. Bon, moi, j'avais participé à une première... dans les premières éditions, en 2004, je crois, c'était encore en balbutiement, mais il y avait déjà cette idée de la formation, de faire en sorte que les choses se structurent et que des savoir-faire se transmettent, et des savoir-faire par rapport aux imaginaires
d'Afrique, c'est-à-dire que ça ne soit pas toujours, c'est une chose importante, bon, on ne peut pas parler de tout, bien sûr, mais le fait de, bon, dans un texte, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de donner à Oublié au solitaire intempestif, acteur de l'écriture, dans lequel il parle justement du fait que les modèles, même s'il s'est nourri de Coltès ou d'autres, ramener toujours Brecht, par exemple, et toujours vouloir analyser le théâtre africain avec, bon, moi, ce que j'appelle finalement l'impensé, véritablement, de l'analyse des théâtres africains, puisqu'on n'essaye pas d'arriver en étant ouvert, on veut toujours trouver une ressemblance avec quelque chose d'autre. Donc, du coup, les formateurs qui arrivent en disant, bon, voilà, je vais vous apprendre à écrire du théâtre, bon, c'est compliqué s'ils ils partagent pas, effectivement, un imaginaire lié aux questions africaines. Alors, comment s'est construit les premières éditions et ton idée, comment ça a évolué vers une plateforme qui est celle que représentent aujourd'hui les récréatrales, qui compte énormément dans le paysage de la création africaine? Oui, merci. Ben, écoute, ce que Nyanguna dit sur toutes les stratégies, ce sont nos stratégies qu'on partage, qu'on prend, donc nos cartes qu'on joue. Parce qu'à la fois, il faut regarder effectivement la chose comme un combat, mais d'un autre côté aussi, et je crois que c'est ça qui a nourri l'énergie des récréatrales, c'est de regarder le combat aussi comme une capacité d'imagination féroce. Parce que la question aussi là, la question aussi des... Sommes-nous capables d'avoir pour nous-mêmes, pour nos rêves, pour ce que nous voulons construire, etc., une capacité d'imagination féroce, de manière, par exemple, à prendre toujours une longueur d'avance sur ce qu'on attend de nous. Et je crois qu'à partir des années, début des années 2000-2002, avec tous les différentes plateformes qui existaient, les festivals, les circuits de formation qui étaient organisés grâce à l'AFA, grâce au programme Afrique en création, etc., je sentais très bien que ces espaces-là, malgré le fait qu'ils étaient absolument utiles pour pouvoir émailler les territoires francophones, d'espace de travail, de recherche pour la plupart des artistes, il manquait quelque chose que nous pouvions investir de notre propre imagination. Et je me suis rendu compte de cela quand j'ai proposé le projet des résidences d'écriture, de création, de recherche théâtrale, c'est-à-dire offrir aux artistes africains un espace long, lent, de travail, de recherche, en écriture, en mise en scène, en dramaturgie, et puis plus tard en scénographie, eh bien, devant ces différentes institutions-là, on m'a dit que ce n'était pas possible, que c'était trop long, que ça va coûter beaucoup d'argent. Et donc, la première chose, ce n'est pas de l'enthousiasme. La première chose, c'est vécu comme étant, tiens, tout d'un coup, cette idée-là vient de là, alors que nous avons mis en place toute une série de choses, etc. Excusez-moi, donc, qui vous a répondu que ce n'est pas possible? Ben, je commence par l'AFA. À l'époque, l'Association française d'action artistique, qui labellise quelque part aussi les espaces de formation en Afrique pour le théâtre francophone, à cette époque-là, qui avait émaillé tout le territoire de pas mal d'ateliers au Cameroun, au Congo, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. Tout d'un coup, cette proposition d'un espace très large où vont se croiser les auteurs, les metteurs en scène, des scénographes et des techniciens, non pas seulement dans un processus de recherche tout court, mais dans un processus de recherche-création qui aboutisse à une forme à partager avec le public, semblait titanesque pour eux. Et pour moi, c'était logique que ça se passe comme ça. Alors donc, les récréatrales sont nés dans ce contexte-là. Première édition en 2002, deuxième édition en 2003, puis 2004 et puis 2005. Effectivement, comme toujours, quand on lance un projet comme ça, à un moment donné, on s'arrête, on fait le bilan. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on fait inventer la chose pour que ça ne s'asseye pas, pour que ça continue à se développer? Et puis bon, ben, on a recommencé en 2006-2008. Et puis c'est à partir de 2008 que de nouveau encore, notre capacité d'imagination féroce va aller plus loin que ce qu'on attendait du projet. En 2008, on décide de délocaliser complètement le festival qui était logé dans des lieux, dans les théâtres, créés par nos aînés. Il y a le théâtre de la Fraternité, l'espace culturel Gambidi, l'atelier théâtre burkinabé ou le CITO, le Carrefour international du théâtre Ouagadougou, ou l'Institut français, de sortir complètement de là et pour rentrer dans un quartier populaire, à Gonguin. Et d'arriver dans ce quartier populaire, de prendre toute une rue et de regarder de part et d'autre de cette rue-là les cours familiales et de demander aux habitants, est-ce que nous pouvons entrer chez vous pour installer des théâtres?
De nouveau encore, quand cette idée, cette imagination est arrivée et que je suis allé vers les différents partenaires pour leur demander, écoutez, nous avons trouvé jusque-ci pour nous, le théâtre est un espace de discussion sociale, le lieu privilégié où cette discussion peut se mener, où la rencontre entre l'œuvre d'art et le public peut se faire de façon légitime et forte pour rencontrer nos désirs, de donner du sens, faire connaître la population, le poète à sa population et faire découvrir à la population son poète, c'est d'installer la discussion chez lui. Eh bien, de nouveau encore, on m'a dit, non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut déplacer les choses, etc. Mais parce que ça voulait dire aussi qu'il fallait inventer des choses. Il fallait fabriquer des gradins, il fallait faire des plateaux, il fallait avoir des projecteurs, il fallait fabriquer des lampes, il fallait négocier toute une façon de s'inscrire dans ce quartier, de se laisser héberger là et de faire un travail avec le tissu social, communautaire, de manière effectivement à installer le théâtre là. Et ça coûtait de nouveau trop cher. Et vous savez où est-ce qu'on est allé chercher l'argent? On est allé chercher l'argent dans les fondations à Amsterdam, la fondation Prince Claus, qui ne contingente pas son argent, c'est-à-dire qu'on ne te donne pas de l'argent et en te disant tu mets ça dans les transports, tu mets ça dans le cachet pour accueillir tel metteur en scène français qui vient faire ceci, etc. Ils te disent, ok, ton idée est juste, on voit très bien où est-ce que tu veux aller, ce n'est pas encore très précis, mais voilà 60 000 euros. Eh bien, avec 60 000 euros, pendant qu'en France on me dit que ce n'est pas possible, moi je prends 60 000 euros des Néerlandais et je vais faire des gradins, j'achète des kilomètres de câbles, de fils parce que Et je construis des plateaux, et voilà. Et au bout du compte, j'ai aujourd'hui une capacité d'installer 9 théâtres complètement autonomes, équipés, avec des gradins allant de 250 à 300 places. Et quand finalement on regarde ça dans le quartier, oui, mais ça a été possible. Mais ça a été possible d'abord par audace, par imagination féroce, comme je vous disais, et par contournement aussi des montagnes. Ah ben ici, c'est une montagne, hop, je prends la brèche, je descends dans la rivière, je vais négocier. Donc, c'est ça les alliés objectifs. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est avec un certain nombre d'alliés, des gens avec qui on a des connivences au niveau des luttes, au niveau des combats, que ce soit en Afrique, au Mali, à Manchina-sur-Seine, au Niger, mais aussi en Europe, en Belgique, en France, ou des gens qui se disent « oui, on se bat pour la même chose, etc. » Et alors on va détourner des moyens. Et j'ai trouvé parfois l'occasion de faire des détournements d'argent. Ça fait partie aussi des stratégies de lutte. Les détournements d'argent, c'est qu'un théâtre comme le Théâtre National de Strasbourg, je ne connais pas le budget de Stanislas Nordet, mais je suis absolument certain qu'il peut glisser 50 000 euros, mais vraiment comme ça, pour soutenir un projet dans une cohérence, dans une logique, dans une... Et ça va. On peut peut-être ne pas éclairer ceci pendant une année. Et je ne sais pas moi, il trouver 30 000 euros pour moi et de devenir Yamuna, pour construire du sens. Mais j'ai trouvé des alliés pour détourner de l'argent. Jusqu'à un moment donné, j'ai demandé aux institutions de libérer 10% de leurs subventions. J'ai dit, mais parce que vous me donnez 10 000 euros que je dois mettre dans les voyages, dans ceci, etc. Oh, mais d'accord, mais il y a quelqu'un d'autre qui me donne l'argent pour les voyages. Oui, mais nous, on a de l'argent que pour des voyages. Ah, mais alors, donnez-moi 20% que je peux utiliser comme je veux. Le programme diversité. Mais oui. De l'OIF, par exemple. Donc là, l'économie aussi, c'est dans le détournement. Attends, je te coupe pas. Le dernier Matina qui vient de se passer là, 70% de la subvention avec laquelle j'ai fait Matina, c'était un détournement d'une de mes prochaines créations. Oui. J'ai complètement envoyé dans Matina, ça, les gens le savent quand même. C'est sur Antoine que j'ai déjà prévendu. À la dernière édition. C'est avec cet argent que j'ai fait Matina. Oui, à la dernière. Deux ans après, je dois livrer Antoine. Voilà, et entre-temps, je dois savoir comment je dois remplacer cet argent. Exactement. Mais écoute, à la dernière édition de Récréatrice. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on m'a donné comme ça pour la création. Hein. Ah non, on ne me l'a même pas donné comme ça. On ne l'a même pas donné comme ça. C'est un prêt achat qui est fait à un autre endroit, une subvention qui est fait à un autre endroit. Du coup, c'est pas, ça arrive pas dans mon compte comme ça. Hein. Moi, je ne sors pas comme ça. Hein. Ça passe de cet endroit-là au festival tout droit. Donc, ce n'est même pas passé par moi. Ben, l'année dernière, en 2014, il me manque 25 000 euros. Dire, par rapport au TNS, comme les autres structures, je vais être brutal, je vais me projeter quelques années en avance. Je ne suis même pas sûr qu'il y aura encore de l'argent pour soutenir
dans les économies occidentales, etc. Je ne suis même pas sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux se projeter sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'idée même du désir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller au théâtre? Ce qui fait que j'ai envie d'échanges, etc. Donc, avec la question du côté vital, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas de la consommation culturelle. C'est quelque chose qui est de l'ordre dans les tripes, dans les cœurs, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette chose-là, elle est juste vitale? Donc, les artistes, le public, tout le monde se pose juste cette question de du besoin vital. La question de l'économie, et c'est là où ça devient assez passionnant, elle va venir, je pense, aussi d'en dessous. C'est-à-dire que dans les modèles qui vont s'imaginer, dans lesquels vous travaillez déjà, nous avons un certain type de confort que nous avons connu, sur lesquels il y a eu des négociations, qui ont fait que cette économie-là et l'échange avec la culture se faisaient, elle va certainement disparaître. Ça peut être une chance, justement, pour remettre en question les structures même de la façon dont les spectacles se font, comment ils s'imaginent et cette imagination. Donc moi, c'est cet appel à se dire, allons-y ensemble, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que nord, sud, est, ouest, en bas, en haut, gauche, droite, ça va frotter sérieusement, mais c'est aussi une opportunité justement de dire que je suis désolé, je n'ai pas les solutions. Enfin, je veux dire, depuis que je suis à l'école, ici, dans le côté français, c'est qu'on m'apprend que ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Pourquoi ils ne le feront pas avec d'autres pays? On sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ras-le-bol. Est-ce qu'on peut juste demander aux enfants, est-ce qu'on peut demander aux adultes, d'être des êtres réfléchissants et qui ont de l'imagination et qu'on peut compter sur eux? Et effectivement, à partir de là, on bosse ensemble et on fait les trucs ensemble. L'économie, elle va certainement pas arriver de quelque chose qui est en train de disparaître. C'est-à-dire une économie qui est là pour une économie rapide, etc., elle va pas soutenir la culture. Quand je vois aujourd'hui sur les pays, certains pays africains qui sont en train de faire de la promotion sur les chaînes américaines, ce qu'ils me vendent, c'est le développement économique. Et je retrouve les mêmes clichés que je peux avoir sur toutes les publicités du monde avec le businessman qui est en train de faire une start-up. Et c'est très bien que cette économie-là se développe, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer demain entre vous, nous, tous ensemble? On est exactement dans la même barque, très exactement dans la même barque. Donc les 60 000 euros, les 50 000 euros de Stanislas Dordet, dans 10 ans, je suis pas sûr. Non mais attendez, non, la question n'est pas vraiment ça. Taquine, mais je dis, oui, j'essaie. On est déjà dans les mêmes trucs d'imagination. C'est que là, il faut qu'on imagine autre chose. Que mais à partir du moment où le désir est partagé, ouais. Parce que de quoi s'agit-il? Nous, on veut que le théâtre soit un espace du débat social. Parce que nous pensons que le théâtre apporte de l'intelligence au cœur de la société et que ce sont les artistes, les poètes, les sculpteurs, les peintres. Bref, c'est eux qui irriguent. La population aussi a une intelligence collective. C'est pour ça, par exemple, que dans notre quartier, le fait d'être dans les cours familiales, qu'une famille accepte, monsieur et madame Bazier acceptent qu'on installe du théâtre dans sa cour. Pendant ce temps, il a sa vie intime, il élève ses lapins, ses enfants étudient et sa femme vend des arachides devant. Mais son espace de cours intérieur est libéré pour que les artistes l'investissent. C'est parce que, quelque part, il devient coproducteur du geste artistique. C'est une économie aussi de ses volontés-là, de ses désirs. Ce dont je parle, ce n'est même pas une question de montant, de moyens, etc. C'est à partir du moment où nous avons le sentiment que nous partageons la même chose, que nous avons le même désir, que nous défendons une même chose, etc., les bouts de ficelle que nous avons, et on aura toujours des bouts de ficelle, c'est ça qui a la chance, on ne va pas nous enlever les bouts de ficelle. Avec les bouts de ficelle que nous avons, eh bien, on va créer quelque chose. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un qui rentre dans cette logique-là, les choses deviennent tout à fait possibles. Les bouts de ficelle, on crée des choses. Il ne s'agit pas de dire, ah, vous avez plus ou non, tu as un bout de ficelle, eh bien, on peut coudre quelque chose, etc. Et ce sont ces connivences-là et ces alliances-là, ces alliés-là, c'est ça aujourd'hui qui devient le détournement légitime, vertueux, de notre manière de fabriquer du théâtre aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Et du coup, ça n'est pas seulement dans l'espace du théâtre, hein, ce rapport-là, qui peut justement anticiper ou préparer l'idée que le futur, c'est l'Afrique. C'est aussi par rapport donc à des enjeux d'économie culturelle beaucoup plus larges. Alors, je voudrais passer la parole à Martial Zebelinga pour
qu'il nous parle effectivement de cette capacité que peut avoir le continent africain à développer des espaces d'économie culturelle qui sont parfois improbables ou impensés, là encore une fois. Merci de me donner la parole. Ça va être très difficile après les brillants orateurs qu'on a eus et tous les quatre réunis, bien évidemment, sans compter le document de Julie Béguini. Alors, je vais commencer peut-être par dissiper un malentendu. C'est-à-dire qu'on a un peu laissé supposer que quand on parle d'économie, on parle de dépenses et qu'on parle d'une certaine façon du père Fouettard. Ce qui n'est pas faux du point de vue de l'économie, c'est qu'une bonne partie de l'économie de la culture s'est développée surtout sur des expertises portant précisément sur la dépense publique et qui consistait à dire, en particulier pour le spectacle vivant, je suis désolé, dire voilà, il y a trop de dépenses et que bon, il faudrait trouver moyen d'équilibrer ça. Mais à la décharge des économistes, beaucoup d'économistes ont souvent été, en tout cas des économistes européens occidentaux, ont souvent été des gens qui étaient formés dans ce qu'on appelle la culture cultivée, entre guillemets. C'est-à-dire que leurs résultats donnaient des choses, mais de, par leur cœur, ils disaient non, il faut, de toute façon, il faudrait financer la culture. C'est le cas de Lionel Robbins, c'est le cas de même Adam Smith, etc. ont toujours dit de toute façon, il faut financer la culture. Et aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui essayent de démontrer que tous les biens culturels ont une valeur qui est supérieure à la valeur économique. C'est-à-dire qu'il y aurait une valeur économique, ou bien valeur d'usage, valeur marchande. Et au-dessus de la valeur économique, mais de façon totalement indépendante, il y aurait ce qu'on appelle une valeur culturelle. Donc il y a tout un ensemble de débats autour. C'est juste pour dire qu'on peut tout à fait avoir une approche d'économie standard, mais moi je suis de toute façon hétérodoxe, donc je n'ai pas cette approche-là. Mais on peut avoir aujourd'hui une approche d'économie standard tout en soutenant la culture. C'est le cas dans beaucoup de situations, en particulier avec un argument qu'on appelle argument des effets externes. Vous voyez que aujourd'hui, si vous voulez, malheureusement, l'industrie française, une grande partie de l'industrie française pourrait être plus attractive si on connaissait suffisamment ses points forts. Merci, Julie. Mais si vous voulez, c'est le tourisme culturel, c'est le patrimoine français qui fait venir le plus de monde à ce jour encore. Donc c'est la culture, quelque part, qui ramène ce qu'on appelle donc, des effets externes. Donc on a une dépense, mais qui rapporte beaucoup plus sur le très long terme que l'effet immédiat. Ça, les économistes insistent dessus. On a également la notion de prestige national. On peut le voir un peu partout. Hein. Quand on parle en France de Salif Keïta, quand on parle de Tombouctou, vous voyez, il y a un prestige qui est lié à la nation. Et donc, c'est une valeur en soi, parce que ça entretient une certaine image du pays, ça entretient même une possibilité, voire une probabilité de tourisme, de voyage et de courant d'affaires, ne serait-ce que culturel. Donc, l'économie de la culture n'est pas forcément donc, à voir sous cet aspect un peu réducteur. Il n'empêche que, pour aller vraiment très vite, on considère, je ne vais pas rentrer dans les considérations relatives à l'économie de la culture qui sont relativement ambiguës, c'est-à-dire qu'on reconnaît que la culture a une valeur, etc., mais on ne sait pas trop si on engraisse un peu le mouton pour mieux le manger, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arrière-pensée d'industrialisation, de financiarisation derrière. Mais je ne veux pas insister sur ces aspects. Ce qui est, à mon avis, déjà bien, c'est qu'on reconnaisse depuis les années 90-2000, de plus en plus, il y a des rapports sur l'économie de la culture qui tendent à dire, voilà, c'est un secteur, ce n'est pas qu'un secteur d'activité, ce n'est pas qu'un secteur économique, mais en tant que secteur, c'est un secteur qui a quand même un poids important. Hein, alors selon les pays, la Banque mondiale dira, au niveau mondial, on serait peut-être autour de 6% du PIB mondial. En France, on va dire entre 2 et 3% par là. Pour les pays africains, et notamment d'Afrique francophone, c'est plus compliqué parce qu'on a au moins 80% d'informels. Donc on a du mal à mesurer réellement ce que c'est. Mais alors la seule étude qui a été faite dans les années 2007-2008 pour le Mali tendait à dire qu'on aurait à peu près 4% on va dire de poids sur le PIB et à peu près 6% en termes d'emploi. Mais évidemment, c'est totalement sous-évalué puisqu'il y a énormément d'informels. Mais on avance dans le sens où on reconnaît qu'il y a un apport quand même. Ça, c'est juste pour donner un cadre général. Je ne vais pas rentrer donc dans les chiffres. Ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle davantage, une fois que nous sommes d'accord que les artefacts culturels, les secteurs culturels valent plus que leurs dépenses, ce qui m'intéresse, c'est de donner quelques caractéristiques, à mon sens,
de l'offre culturelle, on va dire d'Afrique francophone, et puis, alors bien sûr, c'est ambitieux, parce qu'il faut aller très vite. Je dirais la première caractéristique, qui est une caractéristique, je ne dirais pas précoloniale, parce que précoloniale, il y a une dimension de déterminisme, mais on va dire avant-coloniale, c'est qu'il y a d'abord pour tout l'ensemble des secteurs aujourd'hui dit culturel, parce que là encore, tous les secteurs culturels aujourd'hui ne l'étaient pas hier, mais enfin, c'est un problème de catégorie, mais pour tous les produits culturels qu'on rencontre aujourd'hui, il existe, avant la période coloniale, tout un ensemble de ressources endogènes, locales et autochtones, y compris dans le domaine du théâtre. C'est-à-dire que quand vous allez chez les Bambara au Mali, vous avez le côté bas qui est carrément une mise en scène avec un message, avec des acteurs, etc. Donc il y a tout un ensemble de situations dans lesquelles il existe des scènes, il existe des acteurs, il existe des messages, il existe un contexte endogène. Je pense que c'est extrêmement important à le voir parce que ça touche l'ensemble, en gros, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les secteurs, voire les industries culturelles. Dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, vous connaissez toute l'histoire des arts nègres, etc. Dans le domaine de la poterie, dans le domaine de l'exposé, de la poésie. Il y a des poésies traditionnelles, malgaches, enfin partout, en Afrique, on en retrouve. Donc, on ne peut pas partir de la période de l'indépendance en disant on a compris, en gros, ce qu'est l'Afrique d'un point de vue culturel. Il faut revenir beaucoup plus en avant et on trouve un ensemble vraiment extrêmement diversifié, extrêmement riche et vraiment protéiforme de formes culturelles qu'on peut, on pourra revenir dessus rapidement. Mais je vous invite par exemple, pour ceux que ça intéresse, à travailler ou à lire beaucoup de choses sur les cosmogonies par exemple, qui sont un imaginaire à mon avis un peu manquant des littératures et des industries culturelles contemporaines. Si vous lisez ne serait-ce que, je ne sais pas, les cosmogonies Bamanan, Dogon ou même Luba, Peul par exemple, si vous connaissez la notion, la conception de l'être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire où les Bamanan vont vous dire les personnes de la personne humaine sont nombreuses dans la personne. Dans la personne. Voilà. C'est-à-dire que l'être humain, ce n'est pas, la personne n'est pas un individu. Parce qu'un individu, c'est quelque chose qui est individu. Mais ça n'a, c'est rien de plus. Une personne qui est multiple en ses personnes, c'est une personne qui a en elle-même un micro-univers. Donc il y a une possibilité de plastique, d'imagination qui est autour de ces questions, qui est énorme et qui relève de ce que j'appelle l'ensemble des ressources endogènes. À côté de ces ressources endogènes, il y a ce que je vais appeler rapidement les ressources de commandement. Les ressources de commandement sont, on l'a entendu tout à l'heure, des ressources coloniales. On a vu par exemple que le théâtre naît à l'ombre de la colonie pour des raisons absolument bien précises qui ont été abordées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais les ressources de commandement sont aussi les ressources politiques. C'est-à-dire que les États, je ne dirais pas post-coloniaux, je ne dirais pas indépendants, puisque j'ai commis un petit ouvrage qui s'intitulait « Indépendance ». Donc avec « in » vient la locution latine, pour montrer l'ambiguïté. Je dirais plutôt les États après-coloniaux sont des États qui ont eu un rapport paradoxal à la culture. Souvent un rapport d'instrumentalisation. Par exemple, pour montrer qu'on a de nouveaux États, ou alors pour servir la gloire d'un parti politique ou d'un personnage politique, il y a eu toute une industrie culturelle dans un certain nombre de pays, au Congo, etc., et à plusieurs endroits, ce qui fait que exactement la propagande des partis, etc. Et donc les ressources, une partie des ressources endogènes ont été brutalement reconverties et, j'ai envie de dire, limitées à leurs fonctions propagandistes, d'esthétisation du pouvoir, etc. C'est un... À côté du commandement colonial, il y a aussi le commandement des États après colonie. Mais il y a d'autres formes de commandement qui sont importantes, qui ont été aussi abordées. Aujourd'hui, on vit sous l'ère de, soi-disant, on va dire, des plans d'ajustement structurel, ou ce qu'on appelle en Europe et aux États-Unis de l'austérité, où on dit, voilà, il faut mettre la vis sur les budgets, etc. Donc ça pose aussi, évidemment, des contraintes de financement de la culture qui sont de plus en plus importantes, puisque cette culture qui était déjà peu financée pendant les périodes d'indépendance de 60 aux années 80. Avec les années 80, on a dit qu'il y avait une crise, mais je vous invite à revisiter le terme de crise, hein, puisque le terme de crise en économie est un véritable faux ami. C'est une supercherie. C'est-à-dire qu'une crise, au sens propre du terme, au sens même biologique, c'est un moment. Vous voyez, c'est un moment de basculement. C'est-à-dire, soit quand on dit vous êtes malade, vous êtes en crise,
C'est soit vous passez de l'autre côté, soit vous récupérez. On ne peut pas être en crise pendant 30-40 ans, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a un mode de gestion avec des discours qui sont déjà prévus pour faire admettre un certain nombre de situations comme naturelles et évidentes, mais qui ne le sont absolument pas. Donc il y a un commandement qui provient aussi de la façon de penser le financement public, qui aujourd'hui, bien évidemment, est sous les fourches caudines des modèles dits ultra-libéraux. Je crois qu'il y a une autre source de commandement qui, elle, est plus insidieuse. Elle provient à la fois de l'éducation, des effets de champ, comme diraient les sociologues, c'est-à-dire que le fait d'être dans un champ implique le respect de certaines règles. Je vais donner quelques exemples. Pendant les années, surtout les années 80-90, bon, ça l'est toujours, l'identité africaine dans certains pays d'Europe, etc., était littéralement une identité punitive, pour les artistes en particulier. Et vous aviez des artistes qui, dont la musique, je prends des musiciens, ils faisaient de la musique voilà, qu'on n'entendait nulle part ailleurs qu'en Afrique, ils chantaient dans des langues africaines, parlaient à peine le français ou l'anglais, mais quand ils arrivaient à se faire comprendre, en français, ils vous disaient « Non, non, on ne fait pas de musique africaine, on fait de la musique tout court. » Parce qu'ils ne voulaient pas être catalogués dans un espace dit musique africaine qui était considéré comme un ghetto. Et c'est très valable, c'était valable, vous avez beaucoup de musiciens, artistes comme ça en France. Mais ce qui était aussi paradoxal, c'est que les mêmes artistes qui, en France, disaient « on est des artistes tout court » ou même « on est des artistes français » ou « on est des artistes du monde », les mêmes, quand on les invitait aux États-Unis en tant qu'artistes africains, allaient avec le même répertoire et se présentaient comme artistes africains. Parce que là, le côté africain était recherché. Idem de quand ils vont au Brésil ou quand ils allaient à Cuba et qu'on leur disait « voilà, on les présentait comme grands artistes africains », ils étaient contents. Vous voyez, ça, c'est aussi des formes de commandement qui sont liées aux particularités des champs. Et donc, la perception qu'on a des cultures africaines, des industries culturelles et des arts du spectacle, selon le lieu où on se trouve, y compris en Europe et en Occident, n'est pas la même. Le discours qu'on va avoir sur les cultures africaines, selon les lieux où on se trouve, ne sera pas le même. Et donc, effectivement, pour arriver à comprendre ce que sont réellement ces industries, ces investissements, ces engagements et ces imaginaires, il faudrait s'obliger à aller au-delà, précisément, de ces formes qui sont, entre guillemets, canonisées dans chaque État, dans chaque université, dans chaque structure de commandement, j'ai envie de dire, symbolique. Au-delà des commandements, il me semble, donc j'ai dit qu'il y a les ressources endogènes, il y a les forces de commandement, il y a, je dirais, du point de vue de la création, je dirais deux grands moments, j'ai envie de dire. Le premier, à mon sens, qui est le plus transversal à l'ensemble des industries culturelles africaines, c'est l'imaginaire panafricain. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous trouverez par exemple difficilement un artiste africain qui a fait une longue carrière, vous lui donnez 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, ils ont tous, dans leur domaine respectif, toujours, au moins une fois, chanté, écrit, peint une pièce, une œuvre qui s'intitulait Afrique ou Unité africaine. Et je vous prends, pour exemple, le documentaire qu'on a vu tout à l'heure, le documentaire de Julie. Il y avait un artiste qui chantait sur faire partir le président. C'est président. Quelle musique il utilisait ? La musique reggae, qui est une musique panafricaine presque par excellence. Il y en aurait deux de musique panafricaine, s'il y en avait, ce serait le reggae, avec Africa Unite, etc. Et il faut savoir que le panafricanisme est né davantage des Afro-Américains et des Caribéens avant de venir en Afrique. Et le reggae a toujours eu des thèmes panafricains sur l'unité africaine, avant, dans les années 20, par exemple, avec l'éthiopianisme, etc. Des Caribéens voulaient aller se battre en Éthiopie contre l'impérialisme italien. Donc c'est très, très ancien, cette idée-là. Et le panafricanisme est donc une très ancienne muse, en fait, des industries culturelles et des arts vivants africains, à ce jour. Vous ne trouvez pas un artiste de haut niveau
qui, sur la durée, n'ait pas au moins une fois fait une œuvre sur le panafricanisme ou n'ait pas joué du reggae, etc., qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Et c'est assez particulier parce qu'on le trouve aussi chez les Afro-Américains. Quand vous regardez les thèmes de jazz, les grands thèmes, les Coltrane, tous ces gens que vous voulez, vous avez toujours Dakar, vous avez Gorée, vous avez des villes que vous n'attendez pas. Vous avez Toutou pour Marcus Miller et Miles Davis. Donc c'est une force qui est quand même assez présente, même si on a tendance à la regarder de haut, hein, quand certains universitaires, certains critiques regardent ça de haut, mais c'est un fait. On aura du mal. Et le reggae man qui chantait tout à l'heure, si vous regardez bien, il avait sur sa casquette et sur sa veste, il avait un écusson. C'était lequel ? C'était l'Afrique. C'était pas l'écusson de son pays, c'était l'écusson de l'Afrique. Donc c'est aussi une caractéristique, la présence du panafricanisme, à la fois comme imaginaire extrêmement puissant, mais également comme condition de production. Là, on a un Congolais qui produit avec un Burkinabé. Mais il y a tout un pan de la musique africaine, par exemple, où vous trouvez des Antillais qui jouent dans des albums avec des Africains, et tous ces arts-là sont souvent pratiqués sous cette forme aussi. Donc aussi bien comme force d'imaginaire que comme mode de production d'une certaine façon. À côté de cette question panafricaine, me semble-t-il, il y a aujourd'hui aussi de plus en plus, il y a des expérimentations très très riches et innovantes comme on a pu les entendre, qui à mon avis sont marquées par une dimension de diasporaïté, c'est-à-dire que c'est de plus en plus d'artistes qui sont en Afrique et puis qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, etc., etc. Donc vous en avez de plus en plus. Ce sont pas des exceptions, même s'ils sont exceptionnels dans ce qu'ils font, mais c'est un trait de plus en plus général. On trouve des gens qui vivent à Londres, qui vivent aux États-Unis, etc., etc. Un autre aspect au-delà de la question de la diaspora, c'est la dimension du décentrement. Et là, l'œuvre Kung Fu est une œuvre de décentrement. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus totalement lié à des thématiques coloniales ou post-coloniales ou ce qu'on veut, ou bien un rapport à une métropole. On peut aussi travailler sur des espaces totalement soit sud-sud, soit s'interroger sur le Kung Fu, sur autre chose. Vous voyez ? Et c'est de plus en plus présent dans les logiques de création africaine, cette notion de décentrement. Il y a également les logiques numériques qui rentrent de plus en plus en ligne de compte. Donc on va être présent par Internet, etc. Il y a une plateforme musicale qui est née tout récemment au Sénégal qui doit s'appeler musicme.com, qui est aussi l'idée de faire écouter de la musique, faire des téléchargements. Bien sûr, c'est très ambigu pour la durabilité de l'industrie musicale, mais c'est juste pour montrer qu'on est dans une phase où toute la dimension panafricanisme, elle s'associe à des recherches, à des expérimentations nouvelles qui, à mon avis, caractérisent quand même relativement bien l'ensemble de ce qui se passe au niveau des industries culturelles. Deuxième grand pan de ma proposition, je vais être bref, ça c'était les ressources, on va dire, de l'offre de production. Les ressources de la demande, on va dire qu'il y a une importance alors de la demande publique extérieure, on l'a dit, le financement extérieur. Cette demande a naturellement des effets de structuration, on a pu l'entendre tout à l'heure. Si vous allez demander des financements, on va vous mettre à un certain format qui correspond aux attentes du donateur ou du financier, ce qui est somme toute assez normal. Simplement, si on est dans une configuration où 80% de votre industrie culturelle ou des arts vivants sont financés par la même source, eh bien, à l'arrivée, vous n'avez pas la création africaine en Afrique, vous avez la création française ou la création AFA en Afrique. Et c'est un risque, parce que quand on a ce type de demande structurante. On a également des demandes, bien sûr, politiques, j'en ai parlé, mais j'insiste aussi sur les demandes populaires. Je pense que les demandes populaires nous apprennent beaucoup sur la réception, l'acceptabilité et aussi les attentes profondes des populations africaines. Un paradoxe assez frappant. Si vous allez du côté des arts, des arts vivants formels, type théâtre, pendant très longtemps, il y a une littérature africaine qui disait « oui, mais on manque de public. Le public n'est pas éduqué, etc. C'est pas ça. Ça se passe pas bien. Il faut qu'on apprenne au public à venir vers nous. »
Et moi, j'ai été très frappé. Dans le même temps, un certain nombre d'hommes de scène faisaient sale comble dans des pays qu'on n'attendait pas forcément. Mmh. C'était des humoristes, mmh. Comme des troupes comme les Guignols d'Abidjan. Et puis un autre humoriste très très célèbre, camerounais, qui s'appelait, il est décédé, Jean-Michel Cancan. Et j'ai été extrêmement surpris parce que c'est quelqu'un qui avait vous le voyez, bon, vous êtes mort de rire tellement il est mal foutu, etc., etc. Mais l'impression qu'il donnait, c'est moi qui suis camerounais, c'était d'être vraiment une figure typique du Cameroun, parce qu'il avait un accent camerounais très fort, etc. Et je vais une fois au Mali, je me rends compte qu'au Mali, il y avait des gens qui faisaient du cancan, c'est-à-dire qui imitaient ce bonhomme qui, moi, me donnait l'impression d'être un pur produit local. Je vais au Burkina Faso, je trouve des artistes qui refont du cancan. Comme quoi, alors ce qui m'interrogeait là-dedans, c'est de voir comment ce pan de la création et des arts vivants, qui sont donc des humoristes, etc., réussissait énormément. Sans financement extérieur, etc. Là où le théâtre avait beaucoup de mal et appelait à des financements étrangers. Ça veut dire aussi que la colonialité de certaines formes artistiques pose un problème dans la réception parce que les gens sont en attente d'autre chose, que ce soit dans le format, que ce soit dans les thèmes, que ce soit dans la langue parlée, etc. Et c'est valable aussi aujourd'hui, par exemple, pour le cinéma, où pendant longtemps on a dit aussi, voilà, le problème des salles qui est réel, Afrique, on a des pays, je suis vraiment désolé parce que c'est un contre-exemple qu'il faut absolument citer, mon pays, le Cameroun, on n'a plus de salle de cinéma, mais on produit des films et on envoie des acteurs dans des festivals défendre la destination Cameroun. Bon, c'est comme ça, ça fait un certain moment. Et apparemment, les financements à venir sont des financements étrangers. Bon, donc, à vos commentaires. Mais alors, pendant que le cinéma a du mal, une des industries africaines qui a beaucoup surpris dans les années 90 et qui a fait une percée populaire extraordinaire, c'est Nollywood, le cinéma, donc les DVD nigérians. Bien sûr, il y a l'accessibilité économique, mais il y a autre chose. Les thèmes dont parle Nollywood sont des thèmes qui parlent directement aux gens. Et ils ne se sont pas contentés de rester donc, à des enregistrements très simplistes, on va dire. On voit quand même qu'il y a une montée en gamme, il y a une volonté de faire des choses un peu plus élaborées et de plus en plus, ils vont passer à la télévision. Donc, il y a aussi, du point de la réception, semble-t-il, exige aussi autre chose que des formes qui seraient ou qui sont perçues comme des photocopies plus ou moins conformes ou justement des mauvaises photocopies de ce qui se passe déjà ailleurs. Et je crois que c'est un point sur lequel on aurait pu terminer. Et à mon avis, Kung Fu, qu'on devra voir donc, ce soir, traduit bien cette idée de décentrement. M'appelle Ali traduit bien l'idée du panafricanisme, puisque chacun sait que Mohamed Ali est une figure multi-iconisée en Afrique. Vous allez chez des... les peintres les plus populaires chez nous, en fait, ce sont les peintres les plus populaires, ce sont les... Moi, je ne peux pas en parler, mais certains, lui, il peut en parler. Ce sont les coiffeurs. Quelqu'un comme Chéri Samba, qui est un peintre très connu, etc. En réalité, ce qu'il reproduit, c'est des peintures que font les coiffeurs. Parce qu'ils n'avaient pas, pour vous indiquer les coupes de cheveux qu'ils vont vous faire, ils les dessinent. Ou alors, ils demandent à des peintres de le faire. Et le modèle de Chéri Samba, qui est un des peintres africains contemporains qui vend le plus... C'est en fait ce même modèle. Mohamed Ali, vous n'imaginez pas le nombre de fois qu'il est représenté dans les rues, etc. Il y a une bande dessinée qui est sortie sur lui tout récemment. Et son cri de ralliement, Ali Boumaïen, est dans plusieurs musiques de rap, pour dire, avec nos deux artistes ici présents, qu'on est bien, à mon sens, dans les deux tendances fortes, qui sont à la fois le panafricanisme et le décentrement, comme recherche d'expérimentation pour faire... découvrir d'autres choses pour ce qui est de l'économie de la culture africaine, découvrir aux Africains, par les Africains, mais évidemment, découvrir au monde entier, sans aucune ambition, évidemment, de colonisation. Merci. Ce qui serait...
Très bien. À présent, peut-être, alors quelques personnes se sont lancées, mais on doit libérer le plateau à 16h, mais ça nous laisse 10 bonnes minutes pour échanger et éventuellement, si vous avez des questions à poser aux personnes qui sont ici présentes, ça serait bien que vous puissiez le faire maintenant. Voilà. Donc, allez-y en toute simplicité. Hein, donc, vraiment, levez la main et puis c'est bon. Allez-y, madame. Est-ce qu'il y a du théâtre contemporain dans les langues autochtones? Parce que là, c'est ils font du théâtre avec une langue qui n'est pas la langue d'origine des pays. Puisque c'est la langue de l'ancien colon. Oui, alors, bien sûr qu'il existe toutes sortes de formes théâtrales et que... Alors, après, il faudrait qu'on puisse parler, ce n'était pas le sujet aujourd'hui de parler de l'écriture contemporaine et justement du rapport à la langue et la façon dont les langues, alors, dites autochtones, peuvent être, en fait, innerver complètement la création contemporaine. Et en même temps, il y a des traductions. Il y a aussi des traductions de pièces contemporaines en Burundi ou de pièces en Ewe, voilà. Alors, je ne sais pas du côté... la question du lari, par exemple, bon, qui n'est pas, en réalité, ça n'est pas une langue autochtone, c'est une langue urbaine. C'est une langue urbaine, c'est créé après la colonisation, et... parce que quand on parlait, ce que Sonia explique, en langue, on foutait le symbole à l'école, tout et tout, parce que le Colombien maîtrisait très très bien les langues, alors on a inventé le lari au niveau de Brazzaville, qui était une espèce de créole. On a emprunté des mots là, tout blabla. Puis après, ce qui est beau, c'est que le colon s'en est servi, il était content quand il a vu la création du lari. En tout cas, je sais qu'il y a, à Ouagadougou, dans le cadre des théâtrales, il y a des auteurs maintenant qui écrivent beaucoup dans les langues, notamment Sidiki Youbaré, et maintenant des metteurs en scène qui travaillent beaucoup avec, mais vraiment avec la langue. Mais une chose que je pense qu'il faudrait de plus en plus admettre, c'est que le français est devenu une langue autochtone. Non, mais c'est une réalité. C'est ce que vous dites dans C'est devenu une langue autochtone. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est mon véo. Ça, c'est une réalité. Les auteurs aussi font résonner la langue autrement. Enfin, c'était un grand exemple que le travail linguistique, justement, de Dieudonné Nyanguna, la façon de souffler dans la langue et dans la langue française, et tout d'un coup, de se l'approprier, bien entendu, ça nous parlait aussi de ça. C'est-à-dire qu'on a un français qui n'est plus la langue de Molière, ça c'est sûr. Et en même temps, c'est bel et bien donc un moyen aussi de communication, de transmission. Enfin, c'est important aussi de s'adresser à l'humanité, parce que la grande réalité de l'Afrique pendant longtemps, c'est de penser qu'elle n'avait que d'elle à parler. On la soumettait au fait qu'elle n'avait qu'à parler d'elle. Voilà. Tant que le théâtre africain parlait de l'Afrique, tout allait bien. À partir du moment où il s'agit de parler au monde et de se projeter vers le monde, c'est aussi important de pouvoir le faire avec une langue de partage. Donc le français est aussi essentiel dans cette dimension-là, même si musicalement, elle résonne autrement. Oui, madame. Oui, je voudrais compléter, s'il vous plaît, par rapport à ce qui a été dit. Permettez juste. Bon, je voulais juste dire que d'abord, il y a un théâtre fait en langue, comme ça a été dit. Il y a encore des formes de théâtre traditionnelles, comme le Koteba, qui existe encore et qui se fait dans les langues traditionnelles. Vous avez des pays qui ont des politiques linguistiques, pas beaucoup, mais un pays comme le Rwanda a une politique linguistique extrêmement positive dans le sens de faire parler sa langue. Donc tout est traduit en Kinyarwanda. Et vous avez des grands auteurs aujourd'hui comme Ngugi wa Thiong'o, par exemple, qui est kenyan, qui est connu sur cette question, qui a écrit « Decolonizing the mind », donc « Décoloniser la pensée », qui, grand universitaire, prof d'anglais aux États-Unis, etc., il a traduit toutes ses œuvres dans sa langue, en Kikuyu, et ce sont des œuvres qui sont des œuvres c'est du roman, c'est de la poésie, et c'est aussi du théâtre. Donc il y a aussi ce mouvement, en même temps que certains disent les langues anciennement coloniales, on les a réappropriées, on les utilise à notre façon avec des créolisations et des hybridations. Il y a aussi un mouvement de ceux qui disent oui, mais il faut aussi aller de plus en plus vers une écriture dans les langues africaines. Et peut-être que c'est aussi une des clés à la question de la réception. Tout à fait. Dans ce sens-là aussi, justement, là, un peu plus littéraire, ce que vous dites me fait penser à Alain Mabankou, justement, qui fait souffler la langue africaine dans son français, et qui est professeur au Collège de France, cette année.
premier écrivain africain au Collège de France. Donc, il y a quelque chose de ce vent-là. On écoute différemment, en effet, une langue. Et c'est du français, certes, mais c'est une langue vraiment très riche, très, très imagée. Peut-être. Allez-y, monsieur. Oui, je voudrais. Vous avez parlé de Nollywood, du Nigeria et de ce cinéma. Il y a en ce moment, dans le monde occidental, des séries qui se créent et qui attaquent directement la société, les jeunes et ainsi de suite, et qui créent un véritable marché. Est-ce que vous pourriez nous dire si à l'heure actuelle, au niveau des différents pays africains, il y aurait cette tendance de faire, comme vous l'avez suggéré à travers le Hollywood pour le cinéma, des séries qui commenceraient à émerger de qualité spécifiquement originaire du continent, qui permettrait de cibler directement et de qualité autre que de mauvaises transpositions de ce que font les sociétés occidentales. Alors, bon, de toute façon, la question, même si elle m'est adressée, elle est ouverte à tous les collègues. Pour la connaissance que j'en ai, les chaînes de télévision africaines passent des commandes pour avoir effectivement des programmes de cette nature. Donc il y a de plus en plus de séries africaines, ça c'est un fait. Mais ce sont des chaînes qui ont aussi des grosses contraintes budgétaires, sachant que le budget de la culture, de l'information et de la culture n'est en général pas le plus nantique. Et que malheureusement, peut-être dans la culture plus qu'ailleurs, quand on regarde la répartition des frais, les frais de fonctionnement absorbent l'essentiel des fonds. On connaît des festivals aujourd'hui, je pense d'ailleurs à un festival du Congo, dont 80% des frais sont absorbés par d'un festival, sont absorbés par la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Pourquoi ? Parce que les dirigeants sont présents. Ça veut dire que le processus de montée en gamme est quand même assez lent. On a l'impression que c'est plus, pour le moment en tout cas, pour combler les besoins, voilà, faire un peu de remplissage. Et Nollywood, par exemple, s'est développé beaucoup plus par l'initiative privée, même si je ne suis pas quelqu'un qui est, voilà, je ne fantasme pas sur l'initiative privée. Mais de fait, ce sont des privés qui, progressivement, ont su toucher cette partie du public et ont compris qu'avec la concurrence de Bollywood, justement, puisqu'il y a de plus en plus de productions indiennes aussi en Afrique, s'ils restaient sur des productions trop bas de gamme, parce qu'elles étaient économiques, ça ne marcherait pas. Donc, d'eux-mêmes, ils ajustent, ils montent en gamme. Alors, je sais que voilà, y a un processus qui peut être similaire, mais je ne crois pas aujourd'hui dans les politiques publiques en relation avec la culture, parce qu'il y a le tropisme et l'habitude de l'instrumentalisation de la culture au profit d'autres choses est trop présent. Voilà. Mais c'est vraiment très personnel. Peut-être une autre intervention ? Encore 3 minutes. Donc. Si, c'est possible. Tout à l'heure, quand vous disiez nos aînés nous ont montré le chemin, vous pensiez à qui est-ce que vous pourriez. Je peux penser à la relation que par exemple Sony avait avec Guingané, donc Sony du Congo, Jean-Pierre Guingané du Burkina Faso. Les relations qu'ils avaient, évidemment, pour moi, ça peut être un exemple d'une création sud-sud. Comment quand Sony écrit cette belle pièce-là que j'adore très bien de Sony, qui s'intitule Antoine m'a vendu son destin. Mais au fait, c'est l'histoire que lui raconte Guingané, c'est Guingané qui lui raconte cette histoire. Sony est mort de rire et Sony l'écrit. Alors, ça, on peut donner beaucoup d'exemples comme ça, Sylvie Chalal l'a dit tout à l'heure que le Congo, c'est loin du Burkina Faso géographiquement, quand on remarque comme ça, quand on regarde sur la carte. Okay, mais comment, évidemment, des gens qui sont à un endroit, évidemment, sont en relation avec un autre Afrique, à un autre endroit, et se créent des ponts comme ça, ça c'est formidable. Parce qu'au début, on les croisait qu'à Limoges. Il fallait aller à Limoges pour voir des Africains qui vont rencontrer un autre Africain qui habite à côté de chez lui. Ils venaient se croiser à Limoges. D'où même la personne qui m'avait appris le théâtre à Brazzaville. Donc, ce monsieur-là, c'est mon beau-frère, celui qui m'avait dit la casquette et la culotte. Et il avait même écrit une pièce sur laquelle on rigolait beaucoup à l'époque quand je commençais à faire le théâtre. On l'avait joué 2 ou 3 fois, puis bon, c'était pas tellement intéressant, qui s'intitulait Brazza Kinshasa vit à Paris. Alors que c'est les deux capitales politiques les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, et la pièce s'intitulait Brazza Kinshasa vit à Paris. C'est vrai. Donc il y a eu des idées qui nous ont montré des exemples, voilà, par des relations comme ça, je peux donner celui, je peux citer d'autres,
qui évidemment, ça peut passer par le biais évidemment des festivals ou des créations ou d'un atelier qu'il est parti animer au Cameroun où l'autre est venu faire un truc chez lui. Bah, voilà, il y a des choses comme ça où à la minute on a vu qu'il ne nous était pas interdit de créer du Sud-Sud. Oui. On peut citer aussi Verre Cassé justement de Mabankou. Où il dit s'être inspiré d'un bar au Cameroun. D'un bar au Cameroun, il est bien voyagé. Voilà, exactement. Une autre intervention, peut-être la dernière, mais... Non ? Nous, on ne vous voit pas si bien que ça, parce qu'on a la lumière dans les yeux. Ah, monsieur, vous vouliez intervenir. On a été trompé. Non, mais je me posais une autre question. Nous sommes là à Strasbourg. Dans quels autres pays d'Europe s'exprime le théâtre africain et y a-t-il la possibilité pour vous ou vos collègues dans d'autres langues de vous expliquer, de vous exprimer en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Existe-t-il d'autres possibilités parce que c'est-à-dire, je comprends pas très bien que ce soit très très clair. Est-ce que c'est possible pour moi d'aller jouer ailleurs? Oui. Non. Est-ce que vous avez d'autres? Clairement, je comprends pas très bien. Quelque part, il faut que le théâtre aussi soit d'accord, que, disons le théâtre. Oui, mais c'est pas la question. Est-ce que vous avez beaucoup d'opportunités dans les autres pays européens? Si, beaucoup. Je suis artiste associé à Francfort pour 4 ans. Et toutes mes créations sont toujours financées, même quand il y a un financement français, c'est toujours financé par l'extérieur, beaucoup la Hollande, tout Cheda, dont évidemment Sylvie Chalet a parlé tout à l'heure. Près de 40% de la subvention de Cheda, de la création vient de l'Allemagne, du festival, Hollande Festival. Et c'est là aussi qu'on a fait la première avant d'aller jouer à Avignon. Et 20% de la subvention, ça vient de l'Argentine. Évidemment, avec l'Argentine et le Brésil, je joue beaucoup en Argentine au Brésil. Toutes mes créations, Attitude Clando, on a joué là-bas, les Amis aussi volantes, Cheda, voilà. Donc j'ai des partenaires là, des théâtres avec qui je travaille, où on voit mes créations et j'arrive. Et moi, je suis bêtement francophone, je joue en français, c'est sous-titré. Et voilà, on a créé à Cologne aussi une plateforme festival qui s'appelle AfriCologne, avec un théâtre de Cologne, et maintenant ils sont en train de préparer la 3e édition. Donc c'est tous les 2 ans les années impaires, une plateforme de diffusion collective des créations africaines, surtitrées, etc. Alors maintenant ils ont ajouté du cinéma, de la danse. Et puis ben, la Belgique, où je travaille, j'y réside une partie de l'année, où chaque saison j'ai au moins un mois de représentation ou des tournées. Et voilà, la Amsterdam, on a des partenariats avec Amsterdam aussi. Et puis bon, ça c'est pour l'Europe, mais dans les îles, on a des collaborations avec Haïti, la Guadeloupe, la Guyane. Bon, c'est toujours français. Ce sont des alliés. Ce qui compte, c'est d'avoir un certain nombre d'alliés pour les encercler. Aujourd'hui, c'est ouvert en Côte d'Ivoire, le Massa. Oui. Le marché des arts et du spectacle vivant, nous y étions il y a deux ans. Donc, Étienne. Alors, là aussi, c'est aussi des espaces. C'est un des plus gros espaces de présentation de formes artistiques, musique, théâtre, danse, humour, conte, qui était né au milieu des années 90. Et puis, pendant la crise ivoirienne, ça s'est complètement déliqueté. Et maintenant, c'est en train de reprendre. C'est la 2e édition de la reprise et c'est le marché des arts et des spectacles africains. Très très grosse plateforme. Actuellement, je crois que la plupart... Financé par l'État ivoirien pour la majorité. Enfin, oui, ils ont augmenté leur budget. Ils sont à 900 millions de francs CFA maintenant, presque 1 milliard de francs CFA. Mais bon, la moitié est bouffée par la cérémonie d'ouverture. Je vais dire un petit mot aussi, peut-être pour prendre la dernière question, d'ailleurs, dire qu'on est peut-être plus en retard en France que dans d'autres pays européens. Je pourrais retourner la question. Je pense qu'on est en retard ici. Et je crois que... Alors, merci, on va clore le rendez-vous, mais et si on vous propose avec Stanislas et ses équipes plus de diversité sur nos plateaux aujourd'hui au TNS, c'est pas parce qu'on leur doit, c'est parce que ça nous enrichit. Et on parlait d'économie, je voulais vous dire merci. Je vous sens plus riche. Voilà.
thématique, théâtre et scandale. On va continuer à fouiller et à creuser, à se faire du bien. Et puis on va continuer la question de la diversité aussi. Alors, le coup de vous, c'est encore ce soir et demain. Si vous n'y avez pas été, c'est un peu tant pis, c'est plein. Mais tentez votre chance, quand même. Tentez votre chance, il y a toujours des gens qui rentrent au dernier moment. Un autre rendez-vous que j'ai envie de vous signaler, parce que vous dites la diversité aussi, et il pose la question de qu'est-ce qu'on fait concrètement aussi, quels outils on se donne. C'est un débat qui aura lieu fin mars, et qui pose de façon très provocante la question de quel quota, quelle discrimination positive pour changer nos plateaux demain et changer nos salles demain. Parce qu'effectivement, si on dit que la population française, le monde francophone est composé à 30, 40, 50% de personnes comme Dieu donné, comme Étienne, comme Martial, où sont-ils dans nos salles et sur nos plateaux aujourd'hui? Alors on a juste Dieu donné tout seul là, en salle chez nous, mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres demain. Donc, d'autres, plein de rendez-vous vous retrouvez dans nos publications et dans nos, sur notre magnifique site. Presque à jour, presque à jour. Merci à vous tous, merci.